Madame, Monsieur, bonsoir. Ce 5 décembre s'est déroulée une manifestation 1000 drapeaux pour 100 000 morts. Un hommage aux 75 000 Français de souche nord-africaine et aux 25 000 soldats français tués durant la guerre d'Algérie. Cette guerre d'Algérie qui n'a pas pris fin le 19 mars 1962. Alors pour prolonger ce rassemblement patriotique, ces cérémonies organisées partout en France, en partenariat avec l'association Secours de France, TV Liberté consacre une émission aux oublis de l'histoire. J'ai à mes côtés le secrétaire général de Secours de France, Roger Sabourot. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir aussi Jean-Marie Schmitz, vous êtes le président de l'association Secours de France. Secours de France, en quelques mots, le but de cette association. Cette association a été créée pour faire face au drame de la fin de l'Algérie française. Alors cette Algérie, eh bien cette guerre, je vous propose Roger Sabourot de nous en dire quelques mots et de nous faire une chronologie pour l'ensemble de nos téléspectateurs. Je pense que c'est nécessaire et important. Alors chronologie sommaire, certes, mais quand même des dates essentielles. Alors 1er novembre 54, déclenchement de l'insurrection armée par le FLN. 20 août 55, massacre du personnel européen des mines d'El Alia près de Philippeville. C'est évidemment destiné à créer la rupture entre les communautés. La répression sera sévère. Ce même massacre de civils, je sors un peu de la chronologie là, 350 ans, une nuit, sera perpétré en 1957 par ce même FLN contre la population du Douar de Mélouza. Douar acquis au MNA, le mouvement concurrent. Ce drame illustre le second front, trop peu connu, de ce conflit qui fera de très nombreuses victimes puisqu'on parle, ne serait-ce que pour la métropole, de 3 957 tués, des milliers de blessés pour les seules années 55-62. Donc entre le MNA et le FLN, mouvement concurrent. Je reviens à la chronologie. 13 mars 1956, vote par le Parlement français à la quasi-unanimité, communiste inclus, des pouvoirs spéciaux qui confient le rétablissement de l'ordre à l'armée. À la suite de ça, envoie des rappelés en Algérie. 7 janvier 57, début de la bataille d'Alger, qui est devenue un monument de désinformation, qui se terminera quelques mois plus tard par l'éradication complète du terrorisme dans la capitale. Alors victoire, bien sûr, largement critiquée depuis par les porteurs de valises et autres gauchistes de tout poil. 13 mai 1958, voilà, grande date, prise du gouvernement général par les manifestements algérois, qui aboutira à la prise de pouvoir très vite par le général de Gaulle. Alors, lors de la première visite de celui-ci à Alger, il y a dans Alger une manifestation absolument monstre, européens et musulmans confondus, qui laisse entrevoir la fin du conflit dans la paix française. C'est un grand moment et une belle histoire ratée. 1959, succès du plan Châle, qui aboutit à la destruction quasi complète des Katibas de l'intérieur, donc des unités rebelles à l'intérieur de l'Algérie. 16 septembre 59, date essentielle. En contradiction avec ses engagements précédents et les votes d'adhésion successifs à l'Algérie française, de Gaulle prononce pour la première fois le mot d'autodétermination. 24 janvier 60, le limogeage du général Massu qui confirme la politique de retrait du général de Gaulle entraîne un mouvement de rébellion des Européens d'Alger appelé la Semaine des Barricades. De Gaulle parle désormais couramment d'Algérie algérienne. Le 22 avril 61, c'est la révolte militaire dite Putsch des généraux qui échoue au bout de quelques jours. En même temps est créé l'OAS en 61. Et là, attentats et affrontements avec les forces de l'ordre. Et enfin, le 19 mars 62, on vient d'en parler, c'est la signature de ces fameux accords d'Évian qui mettent officiellement fin à la guerre d'Algérie. Voilà, à peu près les dates les plus importantes. Voilà, très rapidement, c'était bien évidemment une chronologie rapide, mais pour évoquer ces grandes dates que nous allons revoir d'ailleurs au fur et à mesure de cette soirée, et nous allons voir ensemble un très beau et très grand film documentaire réalisé par Alain de Sédouy qui s'intitule « Le destin d'un capitaine ». C'est le portrait d'un officier emblématique de sa génération, chef de SAS en Grande-Kabylie, de 1956 à 1961. Et là, je crois qu'il est nécessaire que je vous dise et que je vous rappelle ce que sont les SAS, c'est-à-dire les sections administratives spécialisées. Elles sont inspirées des bureaux des affaires étrangères, indigènes, du Maroc. Les SAS sont créées en 1955 par Jacques Soustel, alors gouverneur général de l'Algérie. Elles se développent à partir de 1956 jusqu'à atteindre le nombre de 700 au moment de leur dissolution, c'est-à-dire début 1962. Sous le commandement d'un officier subalterne, capitaine ou lieutenant détaché de l'armée, les SAS
compte en moyenne 4, 5 employés. Elles sont assistées d'équipes médico-sociales itinérantes et puis d'une trentaine de supplétifs qu'on appelle les Morazni, et qui assurent la protection de l'ensemble. Procédant tout à la fois du pouvoir civil et militaire, elle a pour mission de remédier à la sous-administration dans le bled algérien et de contribuer à des actions de transformation politique, économique, sociale de la population et surtout d'en empêcher le contrôle par le FLN. Cela se traduit par de l'assistance médicale, la scolarisation de dizaines de milliers d'élèves, la construction de logements, l'ouverture de chantiers, en particulier routiers, et la formation de femmes musulmanes par le biais des MC, c'est-à-dire les MC. Équipes médico-sociales itinérantes. Voilà, c'est équipes médico-sociales itinérantes. Merci, Roger Saboureau. Formidable. Et là, il s'agit surtout d'assurer un minimum de subsistance aux plus démunis. Michel Déon, vous savez, le grand écrivain, a écrit à leur propos « Le véritable succès de l'armée en Algérie n'ont pas été d'abord les faits d'armes, même s'ils furent nombreux, mais la reconquête des cœurs ». Je crois que ce terme-là, vous le referez vôtre dans la suite de cette émission. Leur expérience réussie a servi ultérieurement de modèle au général Pétrus, par exemple, le commandant en Afghanistan, dans l'un des rares épisodes d'ailleurs réussi positif de ce conflit. Entre 1956 et 1962, les SAS ont eu 752 tués, 70 officiers, 33 sous-officiers, 42 attachés et 607 Morazni, j'y arriverai. Alors, nous allons regarder ce destin d'un capitaine ensemble. C'est un document exceptionnel, récit d'ailleurs d'une aventure humaine tout aussi exceptionnelle. Nous allons le regarder ensemble. مجاهد خسر وجاي يا مجاهد خسر وجاي سمو شرط ما تسير Si le général de Gaulle, en août 1959, année où l'on pouvait espérer trouver une issue honorable à une guerre cruelle, qui ne disait pas encore son nom, s'est arrêté à Tizi Ibel, c'est parce que ce fut l'un des premiers villages de Kabylie à se rallier à la paix française. Cette visite inattendue sera le point de départ d'une étonnante confrontation entre Georges Oudinot, simple capitaine à l'époque, chef de la SAS des Béni Douala dont dépendait ce village, et le général pour qui l'Algérie allait devenir ce qu'il a appelé la boîte à chagrin. De l'Indochine à la prison de Fresnes, le destin du capitaine sera celui d'une génération d'officiers dépassés par le grand vent de la décolonisation, et qui eurent comme lui à choisir entre leur honneur et la discipline. On vient faire une guerre, on vient rétablir l'ordre, reprendre l'Empire qui nous appartient, l'Indochine qui nous appartient. De Gaulle lui-même, en 40, se basait sur l'Empire. Est-ce que vous posez des questions sur la finalité de tout ça? En 1946, à cette époque-là, c'était au mois de fin mai, on ne se posait absolument pas de questions. Pour nous, on était rentrés au Laos, là, comme dans du beurre. On avait mis le roi sur le trône sans problème. On avait quelques os à éliminer en descendant. Ça, c'est normal. On faisait le ménage. Et ma foi, pour nous, tout baignait. J'ai rencontré le lieutenant Oudinot fin 51 au Tonkin. J'étais à mon deuxième séjour en Indochine, affectée à l'hôpital Calberac, à Hanoï. Comme infirmière. Comme infirmière. Et là, on soignait beaucoup de parachutistes. Où est-ce qu'on rencontre une fille? En général, on répond au bistrot. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas tout à fait ça. C'était dans un restaurant, un soir. Je dis, tiens, cette fille, je la connais. Et puis, on t'a invité avec quelques copines au Hermicelle, si tu te rappelles. C'est l'escale d'amour où l'on vient quelque chose et l'on reste toujours. Vous avez avec vous des gens qui sont des supplétifs, même s'ils sont intégrés dans le corps expéditionnaire. Est-ce qu'il y a eu un attachement
qui s'est mis en place avec les Français. Comment est-ce qu'ils vous ressentaient ? Les miens, mes commandos, je les ai pris dans la rizière. J'ai trouvé un adjudant qui avait servi dans l'armée française, qui était en retraite dans un des villages, et qui est venu en courant vers moi et qui m'a dit « Moi, je vais t'aider à trouver des types ». Et on a donc recruté des bonhommes et qui étaient déjà des milices d'autodéfense, hein, et qui sont venus, dans le but de faire la guerre, de défendre leur village. Et qu'est-ce qui les motivait, ces gars-là ? Je pense que tous les peuples cherchent la paix, et quand il y a une situation de trouble, hein, ils cherchent le côté du plus fort. Alors, Dien Bien Phu, pour la première fois, en fait, une grande puissance est battue dans une guerre coloniale par une armée de guérilla. On ne s'est pas considéré, quand Dien Bien Phu est tombé, on ne s'est pas considéré comme battu. Pour la bonne raison qu'on tenait toujours le delta, on avait perdu une bataille, on avait perdu 15 000 hommes, mais 15 000 hommes, ce n'est pas l'armée française qui était foutue en l'air. La vraie déchirure, ce fut un peu plus tard, quand j'ai quitté réellement l'Indochine. Je me suis rendu compte qu'on était là, réellement quand même, des pions sur un échiquier, que ceux qui commandaient et qui nous avaient fait casser la gueule pendant quelques années en Indochine étaient des gens qui tiraient des ficelles à Paris, la ficelle gauche, la ficelle droite, et puis qu'ils trouvaient toujours un général pour nous donner un ordre et un soldat, nous, pour l'exécuter. Ce jour-là, quand je suis parti, je me suis dit, quand même, il faudra que tu fasses gaffe de ne pas retomber dans le même merdier. L'Algérie, hein, c'est même pas l'Empire, c'est la France. Alors, il n'est tout de même pas question que l'Algérie, on y touche. Et je me suis dit, bon, on t'a fait perdre une guerre, mais t'en perdras pas deux. Je trouve un copain qui avait été blessé très gravement. Et il me dit, il y a deux places, il faut qu'on désigne deux capitaines, dont un parachutiste, pour les affaires algériennes. On a fait un cours complet sur l'histoire de l'Algérie. Mais on ne vous dit à aucun moment dans cet enseignement, il ne faut pas se faire d'illusions, l'Algérie est dans un processus qui est celui de la décolonisation, et donc, tôt ou tard, elle sera indépendante. On ne vous dit jamais ça. Alors, surtout pas. Nous, on a travaillé et construit pour que l'Algérie devienne une Algérie nouvelle, meilleure que celle qu'elle est, mais toujours faisant corps avec la France. Qu'est-ce qu'on dit dans ce stage sur les mouvements nationalistes algériens ? À l'époque, il y avait, dans le fond, trois grandes tendances qu'on a étudiées comme il fallait. La souche MNA, etc. La souche Ferhat Abbas et les oulémas. Qui dit ouléma dit les frères musulmans. On nous dit quelque chose d'important. En Algérie, il y avait 20% de types qui étaient politisés d'un bord ou de l'autre. D'accord. Et 80% qui regardaient passer la caravane, hein, en se contentant de critiquer la couleur des chameaux. Mais est-ce que, par exemple, on vous parle ou non d'un événement quand même considérable, qui sont les émeutes de 1945, les émeutes de Sétif et de Guelma ? Les émeutes de Sétif en 1945 n'ont été que, c'est sûr, un trouble assez important, révélateur tout de même d'une certaine activité, grave sur les lieux, mais dans le fond, ce n'était pas une situation qui définissait l'Algérie comme foutue. Est-ce qu'on cite des chiffres là ? Est-ce qu'on dit ce qui s'est passé exactement ? Les chiffres qu'on avait à l'époque, qui sont beaucoup plus proches de la vérité que ceux qu'on affiche à tort et à travers à l'heure actuelle. Et par exemple, la fidélité de nos troupes est une preuve que le silver était dans le fruit, le fruit n'était pas pourri. Est-ce que vous savez ce qu'a dit le général Duval ? Il a dit cette phrase quand même assez prémonitoire. Il a dit « Je vous ai sauvé la paix pour 10 ans, mais c'est à vous de prendre les mesures qui s'imposent » dans exactement, un rapport adressé au gouvernement. Duval a dit ça et il avait raison. Il a été un des seuls. Il y a eu le projet de 47. Oui. Le projet de 47 qui, effectivement, était un pas en avant, sérieux, et qui a été contré automatiquement, systématiquement, par ce que certains ont appelé le gros colonnat, par la classe politique européenne qui, à l'époque, une minorité, tenait en main le pouvoir politique en Algérie. Vous arrivez en Algérie en... En 56. Je suis au jour, le premier stade de mon installation était prévu par Alger.
je devais aller directement comme adjoint d'administrateur de la commune mixte de Front National. Pour moi, je voyais ça très mal, les fesses dans une chaise, alors que je visais une SAS, essentiellement une SAS, parce que mon idée était de venir et d'avoir à moi un territoire sur lequel j'allais pouvoir exercer une action positive. Faisant face à un fanatisme diviseur, les sections administratives spécialisées, les SAS, ont choisi de consolider cette communauté par la compréhension, la tolérance. Dans ce village désemparé par l'assassinat de son maire, un képi bleu vient prendre la relève. Son arme, l'optimisme. Sa signature, une poignée de main. Son cheval de bataille, une jeep. Le rôle du képi bleu est de reprendre contact avec des populations trop souvent délaissées par suite des distances et du manque de personnel. Les 10 millions d'Algériens ne sont-ils pas semblables à cette foule mouvante d'un marché où berbères, kabyles, mozabites, bédouins, arabes, juifs, chrétiens et européens vivent sur un même territoire? Le boulot d'une SAS, on devrait plutôt dire qu'est-ce qui n'est pas le travail de la SAS? Parce que dans le fond, la SAS, elle va tout faire. Ça va être le confluent de tous les problèmes et la source forcée de toutes les solutions. En gros, on vous donne un bout de territoire et là-dedans, vous rétablissez la France. Chaque SAS avait un Marzen, c'est-à-dire sa propre force de police, qui était en appoint pour sa sécurité, circuler, garder les locaux de la SAS, servir d'escorte, surveiller les travaux, etc. Le recrutement était confié au chef de SAS. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça les SAS, c'est-à-dire section administrative spécialisée? C'est bizarre, parce que c'est une appellation qui n'a rien de militaire. Il fallait que ça ait un nom. Alors c'est devenu à la fois bon, un sigle, c'est devenu au masculin, c'était le bonhomme qui avait la mission, hein, et au féminin, la SAS, c'était le territoire, ou bien c'était même le borge. Voilà. Et c'est rentré dans le langage courant. Bon. Ces sections administratives spécialisées, c'était jamais que l'idée qu'avait germé au Second Empire des bureaux arabes. Ah mais ça, oui, ça si non. Vous voulez... Quand on parle des SAS, quand on explique, on dit que à chaque fois que, dans le fond, le pouvoir civil n'a pas pu faire face à un problème qu'il avait, il a toujours eu recours. Et qui est-ce qu'il y a du personnel disponible, apte à faire n'importe quoi, à le faire dans n'importe quelle condition, à se faire tuer au besoin, qui sait sinon l'armée? Vous êtes nommé, enfin, là, que vous souhaitiez, vous êtes nommé où? Et voilà qu'était la SAS principale de toute la commune, c'était la plus importante, de par sa population, qui comptait donc 26 000 habitants à l'époque, répartis en 23 villages. Qu'est-ce que vous découvrez là en arrivant alors? Alors, à Saint-Abéni, voilà, j'étais arrivé avec donc une population de berbères, essentiellement traditionnalistes, très fier d'être ce qu'ils étaient. J'aurais dit, voilà, moi je viens vous rendre ce que vous m'avez donné. Vous m'avez aidé à libérer mon pays il y a quelques années. C'est avec les troupes d'Afrique qu'on a libéré la France. J'en faisais partie. Maintenant, je viens vous rendre ce que vous m'avez donné. Mon pays a une dette vis-à-vis de vous. Vous êtes actuellement, l'ordre est troublé. Et il va à contresens de vos intérêts physiques, moraux, familiaux, de tous les jours. Je viens, moi, pour vous aider à en sortir. Je paye une dette. Je resterai là le temps qu'il faudra pour y arriver. Mais en même temps que vous leur dites ça, vous découvrez, un sous-développement terrible. Enfin, une boîte. Pas de riches. Le moins pauvre, ben, il a un petit magasin dans lequel il bricole un peu. Le moins pauvre a un mulet alors que les autres n'ont qu'un bourricot. Le moins pauvre a des champs un peu mieux situés que l'autre. Et puis le moins pauvre, il a deux fils ou trois fils qui travaillent en France. Vous comprenez? Le moins pauvre, c'est ça. Je suis arrivé à Benidouala, je remplaçais un capitaine qui était là depuis 5 mois. Bon.
et qui donc m'a mis au courant de la situation. Il avait vécu, lui, là-bas fin 55. Donc, le déclenchement réellement de la rébellion en Kabylie. Le FLN, à l'époque, n'avait pas de doctrine arrêtée. Elle n'a été arrêtée qu'à la Soumam. Après le congrès de la Soumam. Est-ce que les textes qui sortent de la Soumam, c'est-à-dire les déclarations d'intention ou le programme de la Soumam, est-ce qu'on vous le communique? Est-ce que vous le lisez? Est-ce que vous voyez ce qu'il y a dedans? Non, on l'a vu deux, trois mois après, on a vu les textes. Et alors? Complet, à peu près. Complet. Bon, ben, c'est tout un programme. C'est pas n'importe quel programme, quand même. Ben, oui, oui, mais bon. Il avait été fait par des types qui savaient lire et écrire. Hein. Je blague en disant ça. Oui, mais c'est un programme qui, quand même, pose les bases futures, éventuelles, d'une Algérie relativement, on peut dire, démocratique. En tout cas, multiethnique, multiconfessionnelle. Essentiellement frappé de marxisme, quand même. Mais bon. Comment est-ce qu'un congrès qui assemble un groupe de gens, je ne sais pas de quel ordre ils étaient, en pleine Kabylie, en 1956, passe inaperçu? Ça a été une claque qu'on a prise, parce que pour que les gens, un parti secret, comme il était à l'époque, puisse arriver à faire un congrès de ce volume-là, dans la Soumam là-bas, en petite Kabylie, sans éveiller l'attention, c'est quand même un tour de force. Mais ça prouve aussi que, de l'autre côté, on roupillait comme des loirs, hein, ça, c'est sûr. Il faut se souvenir qu'on a rappelé les réservistes en France le 1er avril 1956. Donc les renforts n'étaient pas encore arrivés. C'était des bidasses très mal préparées à cette situation, pour la bonne raison qu'eux n'avaient pas fait un stage d'affaires algériennes, ni les officiers ni les hommes. Quels sont les rapports que ces appelés ont avec la population? Aucun. Les rappelés ont commencé par s'installer et l'essentiel pour eux, on leur avait dit vous serez rentrés chez vous pour la Noël, et bien ils attendaient Noël. J'insiste sur le fait que ce n'est pas la mauvaise volonté des types, c'est l'inaptitude totale de cette unité qui n'en était pas une, qu'on a mis face à une mission qui la dépassait complètement. Sinon, les types étaient des Français qui auraient fait des soldats aussi bons que les autres. En fait, vous découvrez que la situation est beaucoup plus grave que ce que vous imaginiez. La situation était la suivante. C'est qu'un an avant, vers 1955, étaient réapparus dans le paysage, petit à petit, des émigrés qui venaient de France et qui étaient des convaincus du FLN. Ce sont eux qui sont revenus dans les villages et qui ont commencé à former un peu l'opinion, faire un peu d'action psychologique, etc. Et ce sont ces types-là qui ont petit à petit commencer à pourrir la situation. Mais ils étaient peu nombreux. En général, fichés. Et en 1955-1956, il y avait à Beni Douala, quand je suis arrivé, on estimait qu'on avait à face de nous 40 types. Déjà au maquis, armés, fusils de chasse, vieux pistolets. 40 oui, types. D'accord. Le couvre-feu. Ils s'en foutaient, les couvre-feux, c'est surtout les soldats restaient dans leur machin, personne ne bougeait, et donc la nuit, les autres, ils faisaient ce qu'ils voulaient. La nuit est au FLN et le jour est aux Français. À l'époque, la nuit était certainement au FLN, et le jour, il était à tout le monde. Hein. Les parachutistes arrivent. Le 11e choc est arrivé à Beni Douala, et il a remplacé une compagnie du 93 qui était là depuis 6 mois. Pendant 8 jours, 7-8 jours, on a continué à faire comme les bifins d'avant, c'est-à-dire à se balader de jour et à roupiller la nuit tranquillement dans l'eau. Et brusquement, sans prévenir, bien entendu, on a déclenché une activité nocturne intense, diluée sur toutes les pistes, sur tous les. Du jour au lendemain, et ça, on l'a maintenu pendant 7 jours, 8 jours, 9 jours, 10 jours. Et finalement, on a fait l'inventaire, 2 jours. On a continué l'action nocturne en bouclant systématiquement tous les villages et en faisant le compte de tous les présents. Et on a trouvé sur les rangs des gens qui ne devaient pas être là. On leur a dit, mais qu'est-ce que tu fais là, hein?
explique. Et il a bien fallu qu'ils expliquent pourquoi ils ne s'étaient pas signalés rentrant. Ça. Donc on les a identifiés, on a comparé avec le fichier. On a trouvé dans le fichier politique de la commune, tous les PPA et MTLD étaient fichés. Et comme par hasard, c'était ces messieurs qui étaient là. Alors, qu'est-ce qu'on a fait de tous ces gens-là une fois qu'on les a... Les premiers, il y en a pas mal qui avaient laissé des plumes et qui ont laissé la peau. Et pourquoi? Parce qu'ils avaient combattu? Non, il n'y avait pas de combat du tout. Ils se promenaient, la nuit, ils allaient de village en village pour faire leurs réunions, etc. Tout ce qui se promenait la nuit, pan. On tirait. Ah ben ça, il n'y avait pas de problème. Et le couvre-feu était impératif, et on leur avait rappelé, il n'y avait pas de problème. Est-ce qu'on commence à avoir en face de soi un adversaire conséquent? 57. Mieux armé. Un peu mieux armé. Petit à petit. Et on se retrouve sur... Les armes ne vont arriver qu'en 57. Hein. Oui. Et en même temps, se met en place une organisation qui, alors là, apparemment, est assez efficace, qui est l'OPA, c'est-à-dire l'Organisation Politique Administrative. C'est suite à la SOUMAM que on a découvert l'apparition de cette trilogie dans chaque village, où il y avait donc un chef de front, un chef terroriste, comme il disait... Ils appelaient, et puis un collecteur de fonds. Et sur ce trépied-là, et qui était assorti évidemment de menaces sérieuses, la méthode du FLN a été dès le départ la terreur. Parce qu'il n'avait pas d'autre méthode pour convaincre, il n'avait rien à offrir. Et donc il s'agissait de les convaincre, et pour les convaincre, avant de les avoir avec soi, il fallait les empêcher de le nuire, c'est-à-dire couper les ponts avec la France, couper la ponte. Les ponts avec l'administration, et donc leur foutre la pétoche. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Comme ils me diront plus tard, quand on a le couteau sur la gorge, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, mon capitaine? Avec ce système qu'ils avaient instauré, où tout était coupé, tout, rien ne marchait plus, où ils ne pouvaient pas s'adresser, l'armée avait interdit la circulation, sauf ceux qui avaient laissé passer. Les laissés passer, c'est la SAS qui les donnait. Les types, Fell a dit, celui qui va à la SAS, il se fait couper la gueule. Résultat des courses. La pauvreté est devenue très rapidement misère. Et donc, je me suis employé à panser les plaies. Et j'arrivais dans les villages. J'ai pris des sacs de semoule pour aller le distribuer à bouffer aux gosses de ce monde-là qui n'en avaient pas en leur disant, écoutez, aujourd'hui, je ne viens pas en politique, je m'aperçois que vous crevez de faim, que vous êtes dans une situation qui ne peut pas durer. Je ne peux pas faire grand-chose pour l'instant. J'ai des sacs de semoule. Voilà, venez, je vous distribue de la semoule. Personne ne voulait de ma semoule. Un vieux m'a dit. Je lui ai dit, mais tu te rends compte, vous allez mourir à petit feu. Et il m'a dit, mon capitaine, oui, c'est mourir à petit feu. Mais c'est ça ou mourir tout de suite. Et il m'a dit, toi, tu dois comprendre. En même temps, on va provoquer donc, c'est sans doute ce qu'ils attendaient d'ailleurs, la contre-terreur, c'est-à-dire une répression très violente pour lutter contre cette terreur, et que ce faisant, on entre dans un engrenage, redoutable. Je ne dirais pas qu'ils aient peut-être eu cette idée, mais moi, en tous les cas, nous, à cette époque-là, il ne nous est pas venu à l'idée que ça pouvait faire un engrenage. Nous, pour nous, c'était une situation contre laquelle on allait essayer de réagir, quand on en allait avoir les moyens militaires. Ici Alger RTS. Une fois de plus, l'opinion est bouleversée et révoltée par les deux attentats dramatiques qui ont marqué la journée d'hier. En effet, les explosions n'ont pas fait moins de 12 morts, dont 9 Européens et 3 musulmans, et on parle d'une soixantaine de blessés. Ce matin, le général Massu, chef de la division de parachutistes, qui s'est illustré à Port Fouad et à Port Saïd, a pris la responsabilité du maintien de la sécurité dans l'agglomération algéroise. On ne va pas se tendre sur la bataille d'Alger, mais j'imagine que ça fournit, pas seulement dans votre coin, mais dans toute la Kabylie, des étudiants, enfin des jeunes qui vont fournir des cadres à la Wilaya. Nous avions à Beni Douala une école des Pères Blancs, qui existait depuis 1892, par là. J'ai eu, vous savez, que je n'ai pas eu de problème religieux à Beni Douala,
avec les musulmans. Hein. Moi, j'ai vécu là-dedans comme un poisson dans l'eau. Mais avec les Pères Blancs ? Mais par contre, c'est avec l'Église catholique que j'ai eu des problèmes. Ils étaient plutôt, sinon favorables, ils étaient conscients du caractère inéductable de l'indépendance, probablement. Je ne vais pas les juger. Et quand il y a eu les histoires d'Alger, quand Alger s'est mis en ébullition à partir du 15 janvier en particulier, les FL ont recruté sur Alger. Comment ? Et du coup, il y a eu la fuite inverse. Les gens sont remontés au village. Parmi les Pères Blancs, un des Pères Blancs le plus jeune, qui s'appelait Duplan, avec qui j'étais très copain. Duplan vient me voir et me dit, voilà, j'ai un problème. Il y a toute une tripotée de jeunes qui sont remontés. Les gamins, c'est pas grave. Mais il y a une bonne vingtaine de types qui sont susceptibles d'être recrutés par les FEL. Ils n'y tiennent pas plus que ça, crois-moi. Mais donc il faut que je les occupe. Si je les occupe, si je leur donne quelque chose à faire, etc., ils auront une excuse, peut-être pour ne pas foutre le camp, etc. Je lui dis, bon, qu'est-ce que tu as besoin de quoi ? Il m'a dit, mais écoute, t'as pas des machines à écrire, t'as pas de trucs. Je vais leur apprendre, par exemple, t'as pas des machines à écrire. J'en avais récupéré une dizaine ou une douzaine de mes centres municipaux. Je lui ai dit, des machines à écrire ? Je vais t'en donner des machines à écrire. Je lui ai donné des machines à écrire, des cahiers, tout ça. 10 jours après, Duplan arrive, il me dit, ben voilà, il m'a dit, je suis viré. Mais je lui ai dit, viré. Il m'a dit, oui, je suis viré parce que... J'ai reçu ordre de rendre au poste militaire tout ce que tu m'as donné. Et je suis viré à Maison Carrée. Et une partie de ces étudiants, enfin de ces gens, sont partis au maquis. Résultat des courses, il y en a une vingtaine qui sont fichus le camp, qu'on a tués les uns après les autres, hein. Après, un jour ou l'autre. Vous devenez de facto l'ennemi public numéro un pour le FLN. Les SARS deviendront l'ennemi public numéro un du FLN. En fin 56, il y a eu une attaque à peu près généralisée sur les SARS où on a laissé des plumes. Je ne vous dis pas. Quand je suis arrivé à Benidouala, Rebaï était déjà là. Et il avait déjà fait l'Indochine. Deux fois. Deux fois l'Indochine. Deux séjours. Oui. Deux séjours, oui. Et le deuxième saison terminée. À Dien Bien Phu, au 2e bataillon du 1er régiment de tirailleurs algériens. Et il a été évidemment prisonnier chez les Viettes. Il a passé quelques mois en camp de vacances là, chez l'Oncle Haut. Oui, ah oui. Et donc, c'était déjà un vieux soldat lorsqu'il est arrivé à Benidouala. Je revenais de Front National avec, en jeep avec un 4x4 et une douzaine de goumiers. Et là, arrivé dans le virage, ils me sont tombés sur le paletot à une quarantaine de types. On s'en est tiré de justesse, on a réagi, on a pu. Il a voulu prendre vivant. Il a voulu prendre le capitaine vivant. Il s'est pris une chevrotine, une décharge de chevrotine dans la gorge. J'ai resté une heure. Je l'attaque avec eux. Une heure, tout seul. Oh. Le capitaine, ils étaient un peu plus loin. Moi, j'ai craché le sang, je sens plein. J'ai joué comme ça, j'ai resté dans un crêtre. On insulte en tournant. Moi je l'insulte. Puis, service sergent, il m'est resté à moitié de sergent, service. Vous avez fait un rapport sur l'état des forces de la ville à Yatroi. Bien sûr, parce que petit à petit, ils s'étaient étoffés. Si on n'envoyait pas la matérialité, le nombre chez nous, c'était pas leur terrain de chasse favorable. Le gros des forces d'Ami Rouge se trouvait où alors ? Le gros des forces, si je vous dis ailleurs, c'est l'air d'éviter la question. Non, ils étaient dans des coins qui étaient en général moins denses en habitation. Leur problème, c'était quand même, ils n'étaient pas toujours d'avoir des troupes et de s'en servir, c'était de les faire bouffer et puis pour voir leur entretien pendant tout le reste du temps. Vous estimez l'état des forces de la Via 3 de quel ordre ? À mon avis, 18 ou 19 katibas. Il y a des compagnies, l'équivalent du groupe. Oui, sur une compagnie. Et combien d'armes ? Oh, certainement une centaine de fusils mitrailleurs, au moins, et l'armement de guerre, à peu près.
toutes les Katibas étaient à peu près armées en guerre, mettons aux deux tiers. Armées en guerre avec quand même un armement qui restait inférieur, si vous voulez, à l'armement moyen français. Mais ils avaient quand même des armes de guerre. Ça ne leur donnait pas une efficacité totale, supérieure à la nôtre quand chez nous elles étaient bien tenues. Ça leur donnait une confiance en eux. Dans ce port, nous étions des milliers de garçons. Nous n'avions pas le cœur à chanter des chansons. L'aurore était légère, il faisait presque beau. C'était la première fois que je prenais le bateau. L'Algérie, écrasée par l'azur, c'était une aventure dont on ne voulait pas. Je fais 10 mois à Clermont-Ferrand, et hop, il me vire en Algérie après. Ensuite, emmené à Beniduela, au bataillon 141e, à la 6e section. De quel régiment? Le 141e. C'est un régiment d'infanterie alpine? Infanterie, bon, enfin, un peu alpine, oui, puisqu'on était censé avoir le béret des chasseurs alpins. Il y avait 10 sections qui étaient réparties dans des villages. Ou près de villages, dans les postes. Alors, vos premières impressions? C'était magnifique. Il y avait des pâquerettes partout. Alors, en France, il faisait encore très froid. Les amandiers étaient en fleurs. C'était superbe. Bon, après, on a dû chanter, c'était moins drôle. Là, c'est moi devant un village des Zaïtats del Moumen, qui faisait partie de la Sasse de Beniduela. Vous n'étiez pas quelqu'un qui avait vraiment la fibre militaire? Pas du tout. Et là, c'est règlement de compte à hockey choral. Tout à fait. Là. Ça s'appelait les Ouadias. Ça avait subi pas mal de ratissage parce que c'était un lieu de réunion du FLN, comme c'était une ville quand même un peu importante, qui était à, disons, à 70 km de Beniduela. Comportement moyen des gars. Ils étaient très marqués par un espèce de racisme ambiant ou... Il y en avait, mais il y avait, comme maintenant. Partout, vous rentrez dans n'importe quel coin de Paris ou de banlieue, et puis c'est les mêmes. Vous reprenez tout ça, vous leur mettez une tenue un flingue dans les mains, et puis ça fait des dégâts, quoi. En fait, entre les Fédagas et les troupes françaises, ces gens étaient dans une situation... Ils étaient malheureux. De piège total, là. Complet. Nous, on leur interdisait de sortir des villages. Toute la journée, il ne fallait pas les trouver tout seuls dans un champ en train de labourer ou un truc comme ça. Ils se faisaient attraper et questionner. Et donc ils n'avaient rien. En 57, l'année était noire, donc c'était l'année où je me suis attaché à rétablir... empêcher la misère des gens. Et donc, c'est là que je pense avoir gagné une grosse confiance parmi les gens, tous les gens simples de la population des Beniduela. Là, j'ai marqué des points par automatiquement du moment que les autres les empêchaient de bouffer, les empêchaient de venir au ravitaillement, et que moi, je leur donnais à bouffer, je leur donnais de l'argent. Je savais parfaitement bien que les faits leur en prendraient une partie, mais vous savez, le paysan, il n'apprécie pas qu'on lui fauche son pognon. Ensuite, je me suis aperçu dans le courrier qu'il y avait plein de lettres qui arrivaient, qui étaient adressées aux femmes qui réclamaient des pièces d'état civil pour mise à jour du dossier des allocations familiales. Comme elles ne recevaient pas les lettres, puisque la poste ne marchait pas, il n'y avait pas de pièces d'état civil, et donc le robinet des allocations familiales était pratiquement coupé. Et à partir de ce moment-là, j'ai contacté tous les Kabyles en France, tous les Kabyles de chez moi. J'ai écrit à tout le monde. Et je suis rentré en contact, et petit à petit, les dossiers d'allocations familiales ont été mis à jour. Alors ça se passait d'une manière assez vigoureuse quand même, parce que je vois ici un tract de la SAS. Voilà, c'est pendant la grève générale de début 57.
où les faits l'avaient interdit. Alors, moi, mon argument, eux, ils n'avaient pas d'argument. Moi, j'en avais un. Hein. Si les rebelles sont capables, à ma place, de vous faire faire, de vous payer les allocations, les pensions, les secours à domicile, hein, bon, ben d'accord, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais comme les rebelles ne pouvaient pas, donc, je leur ai dit, révoltez-vous contre les félagas qui vous obligent à vivre misérablement. Dénoncez ceux qui menacent votre tranquillité, hein, et désignez-nous les lâches qui s'attaquent à vous qui êtes sans défense. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Petit à petit, les bonnes femmes qui venaient me voir, je leur ai tiré les vers du nez. Et petit à petit, on a su. Parce que les gens, vous savez, ils sont l'estomac quand il est vide, et le porte-monnaie quand il est vide. Hein. Et ils savaient bien qui est-ce qui les emmerdait. Et ils nous disaient, non, c'est tout. Et le type qui était, quand on a su, l'OPA, le chef de l'OPA local, le chef de front, comme on disait, les chefs de front, quand ils étaient démasqués, moi c'était facile, hein. Le type, il avait... le chef de front, tac, démasqué, et tu payes. Bon, ma difficulté, c'était d'avoir un médecin. Parce que je donnais à manger aux gens, et je voulais aussi les soigner. Et je m'en suis servi pour rentrer le plus profondément possible dans la population. Je manquais de médecin, d'un médecin en permanence, et Giuseppe, le docteur, a été affecté par son régiment auquel il était affecté, et je me suis aperçu que c'était un type en or. Un type qui avait embrassé la médecine comme on embrasse le sacerdoce. Je suis donc un fils d'immigré, puisque mon père et ses deux frères ont quitté la Corse quand ils ont eu 18 ans pour s'engager, parce que c'était leur seul moyen de s'en sortir, quoi. Le Corse était destiné à partir. Partir sur le continent ou partir aux colonies, et voilà. Et c'est ce qu'il a de commun peut-être un peu avec les Kabyles. Eh oui, même chose, nous sommes des Kabyles du coin, quoi. Est-ce que vous savez quelque chose de la guerre? Est-ce que vous savez quelque chose de l'islam? Est-ce que vous savez quelque chose du sentiment national algérien naissant? Ce que je savais, c'est ce que je ressentais moi. Oui. Moi, j'avais été déjà marqué par la défaite de 40. Voilà. Je suis toujours un Français un peu... Meurtri. Un peu meurtri, oui. Vous découvrez quoi? Une population très sous-alimentée Non, pas sous-alimentée, non soignée, quoi, voilà, dirons-nous. Alors, j'imagine que tout d'un coup, quand même, votre pratique médicale va changer de nature. Ouais, absolument, oui, absolument. On crée donc la MG, la médecine gratuite, quoi. Et on installe une médecine qu'on fera à la fois dans la SAS et... dans les villages, lorsqu'on les visite ou lorsqu'on nous badise, voilà. Alors l'équipe, il y a Hélène qui est mon infirmière et il y a Ouldali, mon interprète, mon tirailleur, goumier, interprète. Mais est-ce que votre action médicale, à votre avis, a été ressentie par toutes ces populations, dans tous ces villages, comme quelque chose de vraiment un grand... Moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'il m'a remercié. Là, vous soulevez quelque chose qui est assez clair. C'était ce couple qu'on avait essayé de mettre en place sur le plan psychologique. D'un côté, vous avez un monde de barbares qui vous égorge, et de l'autre, vous avez la civilisation, voilà, qui vous apporte. Le FLN, nous faisons une activité qu'ils ne peuvent pas faire et qu'ils ne peuvent pas critiquer. Voilà. Et le jeu de la médecine se joue aussi toujours à trois. Se jouer entre le malade qui avait envie de se faire visiter, et la SAS où il pouvait venir se faire visiter, et le FLN qui l'interdisait plus ou moins. Est-ce que dans ces contacts que vous avez en tant que médecin, qu'est-ce que vous comprenez de la situation réelle du rapport de force? Je prends conscience que cette guerre est une guerre où c'est pas de mettre des postes avec des drapeaux bien réguliers qui est important. C'est de conquérir les gens et de leur apporter la sécurité. Alors Hélène arrive. 57. Octobre 57, je l'attendais. Et ça a été un événement, non pas parce que ma femme arrivait, hein, mais parce qu'il arrivait une femme
dans le service de santé comme adjoint du Joubib. Alors là, ça nous a fait une pénétrante absolument ahurissante de la médecine. Parce que Giuseppe, qui était bon et brave, il avait des difficultés terribles. Les femmes ne voulaient pas se laisser examiner. C'était pas une question de religion, c'était une question de coutume, une question de pudeur. Mais quand Hélène est arrivée, à partir de ce moment-là, c'était du billard. J'ai eu des contacts très intimes. Quelquefois, j'allais distribuer de la semoule ou des vêtements. J'allais dans les maisons, je buvais le thé, je mangeais un petit morceau de galette avec les femmes, elles étaient très contentes. Je regrette de ne pas avoir pu le faire plus souvent, parce que le contact était agréable. Pourtant, vous ne parliez pas kabyle, elle ne parlait pas français. Mais je savais quelques mots. Oui. À l'époque, on arrivait à se comprendre, je n'avais pas besoin d'interprète. Dans une guerre comme ça, où les hommes sont ou au maquis ou en France, où il n'y a que des vieillards, comment les femmes vivent l'absence? Comment est-ce qu'elles vivent finalement un problème qui a dû être très important, qui est celui de la solitude et de l'absence de sexualité? Elles n'ont même pas le temps d'y penser, je suppose. Dans une guerre comme ça, est-ce qu'il n'y a pas quand même inévitablement... Sûrement, il doit y avoir... Des viols des deux côtés. Des deux côtés, certainement. Est-ce qu'il y a eu peut-être, comme il y a toujours dans les guerres, des cas d'enfants qui ont été conçus? C'est ce que l'on appelait l'enfant endormi. Donc les premiers qui viennent à l'infirmerie ou au dispensaire, c'est des hommes ou des femmes? C'est les femmes, c'est les vieilles qui sont venues. Et elles amenaient les petits, les bébés. Et un jour, j'ai aperçu à travers la fenêtre, parce qu'on avait fait un toit pour les abriter, et je vois une vieille qui avait, mais vraiment la vieille femme, qui allaitait un petit bébé. Oh, je vois ça, mais je dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Et la mère ne pouvait pas venir. Les Felaga avaient donné l'ordre de ne pas venir, mais la vieille avait trompé la vigilance. Et elle était venue, mais elle n'osait pas frapper à la porte. Alors on l'a fait rentrer, et j'avais mon infirmier Ouldali qui l'a questionné. Alors on a soigné l'enfant qui avait une fièvre terrible, on l'a soigné sur place, on lui a donné les médicaments, on lui a bien expliqué comment il fallait qu'elle les donne. Et je me rappelle toujours, elle l'a dit à l'infirmier, « Quand je pars, tu m'injuries. » Et l'infirmier, quand elle est sortie, il lui a dit « Va-t'en, sale bête, t'es une imbécile, tu sais pas soigner ton gosse, enfin, vous voyez, quelque chose comme ça. » Et la vieille grand-mère était toute contente. On a été appelé par radio, on avait des groupes ST-300. Il y avait une opération qui se montait à tel endroit. Alors on savait que c'était un truc de ratissage ou de fouille ou de trucs comme ça. Donc on descendait. En général, on descendait plutôt qu'on remontait. C'était dans le fond des ravins que ça se passait. Et puis ben, on encerclait tout un patelin, enfin, ou tout un coin, et puis on marchait toute la journée, voilà, on ratissait. Les parachutistes, quand ils sont venus chez nous, on a bossé ensemble, donc sur cette opération Jamel, ils nous ont dit « vous faites un travail de fourmi, jamais on accepterait de faire ça ». Un boulot aussi pénible, pas de jour de repos, rien, pas de bouffe, rien. Je dis « mais c'est épouvantable ». Et j'avais demandé ma mutation dans les parachutistes. Ça vous aurait peut-être changé complètement? Non, parce qu'ils aimaient bien mon caractère anard aussi. Ça, c'est un fait, oui. Comment ça se passe? Eh bien, on le remontait avec nous. Normalement, après, il le ligotait. S'il y avait un âne, il était foutu à cheval sur un âne, pour pas qu'il se tente de se débiner. Et sinon, on lui ligotait les mains, bien sûr, puis il remontait à pied avec nous. Et arrivé au poste, il était interrogé succinctement. Et ensuite, on prévenait par radio qu'il y avait un prisonnier, et donc c'est Benny Douala qui venait le chercher. C'est l'OR, l'officier de renseignement. Du bataillon? De Benny Douala. Où il y avait des geôles, où il y avait des cellules, où il y avait une salle d'interrogatoire, disons, et puis des bureaux, quoi. Voilà. Sur le flanc de la maison, là, il y avait une salle d'interrogatoire, en béton et tout, un truc bien épais, on n'entendait pas grand-chose de là. Et c'est là qu'ils interrogeaient les pauvres gars qui leur tombaient dans les pattes.
J'ai fait partie de cette OR au début, puisqu'il leur fallait quelqu'un qui sache écrire et dessiner, pour dessiner les plans, pour calquer sur des cartes les endroits des caches, les endroits des embuscades, les endroits de ceci, les endroits de cela, qu'on distribuait après aux unités qui partaient. Eh bien, j'ai vu un type attaché, ligoté, entre deux poteaux, à qui on a mis des électrodes à certains endroits du corps. La Gégène. Oui. La dynamo, là. Et l'autre qui hurlait, qui se tordait de douleur, parce que c'est très douloureux. J'ai dit non, j'y vais plus, c'est tout. Alors, il me dit, bon, ben, allez voir le colonel. Bon, j'ai été voir le colonel, puis je dis, moi, je ne veux plus participer à ça, c'est dégueulasse. Il me dit, mais c'est nécessaire. Et... S'il y a eu des violences, je pense que c'est lorsque, d'après ce que j'ai entendu dire, moi, personnellement, je ne les ai pas vues, mais lorsque les soldats trouvaient un des leurs égorgé les testicules dans la bouche, et ils devenaient fous. Et tout ce qui leur tombait sous la main, ils avaient envie de se venger. Je pense que ce que je ressens, moi. Oui, mais il y avait aussi une fonction de renseignement. Ah ben le renseignement, nous, à Benidoilla, il y avait les SAS, ce n'était pas fait pour le renseignement. Au contraire, on aurait tout cassé le boulot. Est-ce que cette action de renseignement, est-ce qu'elle était limitée au bataillon, enfin à l'unité d'infanterie qui était là, dans les Benidoilla, ou est-ce qu'elle existait aussi au niveau de la SAS ? Non, la SAS, j'ai jamais rien vu. J'ai pas vu de prisonniers emmenés à la SAS. Et puis la SAS, c'était un autre monde, c'était un monde différent. Après, tu as rencontré Oudinot, avec lequel apparemment tu as eu des rapports. Oh, avec Oudinot, ça allait, oui. Tu n'as pas parlé de ça ? Non. Non, on parlait pas du tout de militaires, d'armées, de ce qu'on foutait. On s'en isolait complètement. Quelle était son image auprès des Kabyles et Oudinot, à votre avis? Il était bien aimé. La population, ouais, ils n'avaient pas de crainte d'aller à la SAS pour demander des papiers ou des choses comme ça. Non, ils y allaient avec plaisir. Parce qu'il voulait rester français, uniquement français, totalement français. 10 millions d'hommes, de femmes, de vieillards et d'enfants criaient depuis le 13 mai 1958 « Algérie française et vive la France !» L'homme qui n'appartenait à personne, mais qui appartenait à tout le monde, a répondu présent à cet immense appel. Je vous ai compris ! Je vois que la route que vous avez ouverte en Algérie, c'est celle de la rénovation et de la fraternité. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, la France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Il n'y a que des Français à part entière. Vous entendez les discours, là, le discours? Ah oui, bien sûr. Alors, tout le monde l'entend, parce que dans les villages, c'était le début des transistors. Hein. Quand il a dit « je vous ai compris », ça vous a inspiré que... Ben, on n'a pas cherché à comprendre. On a dit « moment qu'il nous a compris », on était persuadés qu'il avait compris ce qu'on pensait. Et « Vive l'Algérie française » Il l'a dit. C'est mais sûr. Il l'a dit une fois. À Mostaganem. Il l'a dit une fois. Et vous pensez qu'on lui a soufflé ou... On a dû lui arracher. Hein. Ça a dû lui échapper. Mais bon, on avait confiance, hein. Vous étiez gaulliste à cette époque-là? Moi? Et oui, bien sûr. Et tout le monde était gaulliste. À tel point d'ailleurs que vous allez être invité. Ah ben ça, c'est pas parce que j'étais gaulliste. Non, monsieur, c'est parce que vous étiez la SAS vedette. Là, mais non, ils ont choisi 15 capitaines. 14 capitaines et un lieutenant. On était deux capitaines de parachutistes. Le capitaine Le Sec, qui était un ancien de Libye, compagnon de la Libération, et moi. Des gens de terrain, uniquement.
Et moi, comme chef de SAS, il y avait un lieutenant musulman du 3e SPAI. Et donc, on arrive là, et puis, bon, Bonneval nous reçoit, il nous dit, voilà, je vais vous amener le général de Gaulle, il va venir, et puis il vous parlera, et il nous amène de Gaulle arrive, tout le monde se présente, bon, Tartampion ou Dino, mais regarde les pieds à la tête, ça, bon, il s'installe dans un fauteuil, et il nous dit, servez-vous, il y avait du whisky à gogo et tout ce qu'il fallait. Il dit, servez-vous et on va parler. Alors, chacun a parlé, très franchement, chacun, l'un après l'autre, a expliqué ce qu'il faisait, où il était, etc. Bon. Et puis, à un moment donné, il y a un de mes camarades, je ne sais plus qui, qui lui a posé la question, un peu embitouflé, embistouillé, en disant, mais vous savez, on n'est pas encore trop sûr de ce qui va se passer. Si vous étiez... est-ce que réellement, vous allez... Et puis, il n'osait plus. Alors, j'ai repris la balle au bon. Je lui ai dit, je pense, mon général, que mon camarade veut vous demander, veut dire ce que j'ai envie de vous demander, moi aussi. Vous dire, si un jour, pour une raison ou pour une autre, vous étiez amené à prendre la décision d'abandonner l'Algérie. Qu'est-ce qu'on deviendrait, nous, nos gens, nos populations et aujourd'hui. Et là, je le verrai toujours. Il avait ses lunettes à la main, comme ça. Il m'a dit, Oudino, je crois. Oui, mon général. Est-ce que vous avez déjà vu De Gaulle abandonner quelqu'un ou quelque chose? C'était la réponse rêvée. C'est une parole de soldat à des soldats. Hein? Je pense, sur le coup, tout le monde a pris ça comme ça, comme un engagement. Moi, j'ai pris ça comme un engagement. Qu'est-ce que vous estimez qu'on a investi dans cette région des Méni-Douala pendant votre séjour, de 55 à 61? Par exemple, pour construire le Borge, on m'a dit, tu construis un Borge. Bon, démerdez-vous. Pour construire le Borge, on m'a dit, voilà, il y a 20 millions, dès l'époque. On m'a dit, c'est pas limitatif, j'ai poussé un peu les murs, j'ai poussé un peu les crédits, mon Borge m'a coûté 25 millions de l'époque. Non, c'est très important parce que ça veut dire que finalement, avec du retard, mais la France a investi beaucoup d'argent dans... On a investi, oui. Beaucoup d'argent. On a investi de l'argent, oui. 25 millions, c'est pas 25 millions anciens. Oui. Hein. Plus le fonctionnement des communes, plus tout ça. J'ai ça en chiffres, j'ai tout transformé en chiffres, je pourrais vous le dire. Bon. Mais après, le Marxien était payé, les goumiers étaient payés 800 francs par jour, 8 francs. De 1960, 800 francs anciens, moi je parle en anciens francs. Mes ouvriers sur le terrain, je les payais 500 francs par jour. 5 francs nouveaux, si vous voulez. L'argent principal, ce n'est pas la SAS qu'ils avaient. C'était les communes qui recevaient le plan de Constantine. Tout ça, c'est par les robinets communaux. D'accord. Alors, pour faire fonctionner mes communes, j'avais combien? Eh bien, à peu près, si vous voulez, transformer, j'ai fait le calcul, en francs 2000. Vous faites le calcul vous-même en euros, j'ai à peu près 6 millions de francs 2000. L'espoir maintenant prend corps, en fait, d'une manière symbolique, ça prend corps dans la création d'une école. C'est en 1950, l'hiver 58-59 que je les ai construites, et c'est en 59 qu'on va faire la première ouverture d'école importante. Mes villages ont basculé, il y a eu les ralliements de villages, les gens ont pris les armes à nos côtés, et comme j'avais prévu le coup, heureusement, j'ai eu la chance d'être prévoyant, hein, mes écoles qui étaient prêtes à sortir de terre sont sorties de terre en 5 mois de temps. Un beau jour, j'ai un coup de téléphone de Tizi Ouzou, la préfecture qui me dit, écoute, on a une jeune fille qui est là, qui est institutrice, qui erre dans les couloirs et qui cherche à monter, elle veut monter à Tizi Ibel, elle est nommée institutrice à Tizi Ibel. Alors, je lui dis, écoute, tu te débrouilles, tu la colles dans l'hélicoptère et tu me l'envoies à Benidouala. Je suis partie en 59 et je suis sûre que mes parents auraient su ce qui se passait là-bas, ils n'auraient pas signé puisque j'étais mineure à ce moment-là. Vous aviez 19 ans. J'avais 19 ans.
J'arrive à la DZ. Je portais à l'époque une robe rouge. Ma maman m'avait faite parce que c'était une excellente couturière, magnifique. Avec des talons aiguilles comme ça. Et j'arrive sur la DZ. Je me fais siffler par tous ces militaires qui étaient là. Je dis, mais qu'est-ce que tu viens me faire ici? Mais alors, je tombais des nues. Alors, la rencontre avec Oudinot. Je rentre dans son bureau. Je dis, voilà, je viens. D'abord, j'étais surpris de voir un militaire. Parce que, hein, qu'est-ce que je venais faire? Je voulais enseigner. C'était l'enseignement, c'était pas des militaires. Puis je tombe sur un gars, un militaire. Là, je dis, mais je viens pour enseigner à Tizibel. Ben oui, il me dit, mais oui, je sais bien. Il me dit, je sais. Et puis je dis, mais oui, mais moi, je veux rejoindre Tizibel. Mais vous ne pouvez pas rejoindre Tizibel. L'école n'est pas terminée parce qu'elle avait flambé, hein, cette école. Alors, elle avait été brûlée par elle avait été brûlée, voilà. Alors il me dit, alors vous vous contenterez de rester là, enfin, patin. Ouh, je dis, mais non, moi, je dois rejoindre. Mais enfin, il dit, de toute façon, il me dit, c'est moi, puisqu'ils étaient considérés comme nos directeurs, vous comprenez? C'est moi qui commande. Alors il me dit, pour l'instant, vous allez aller. Et puis ils m'ont fait accompagner dans une chambre, etc. Alors j'arrive dans la chambre et je me mets à chialer. Et vous avez des premiers rapports avec la population du village, là? Comment ça se passe? Les gens, proprement dit, on ne les voyait pas tellement. Et c'est surtout, on a eu affaire aux enfants tout de suite. Les gosses sont venus quand ils ont su que l'école était ouverte. Et voilà, on a partagé nos élèves et c'est tout. Sans les mères? Ça, oui, sans les mères. On ne les voyait pas, les mères, non. Et on voyait que des vieux, parce qu'il n'y avait que des vieux dans le village. Hein, ça ne vous a tout. Pas, comme c'est... on dit aujourd'hui, interpellé? Mais à ce moment-là, on a été dans le vif du sujet de la Kabylie, hein, pendant la guerre. Est-ce qu'ils parlaient des Félagas? Oh non, jamais. Non. Ils avaient peur, simplement, hein, c'est tout. Mais ils n'en parlaient jamais. Non. Ils n'en disaient rien? Oh non. Donc vous aviez le sentiment, vous, d'incarner un mode de société, un mode de civilisation plus supérieur au leur ou pas? Non, mais je pense qu'on leur inculpait le calme, le bien-être. Je ne sais pas comment vous expliquer. Par nos façons d'agir, on leur faisait comprendre qu'il y avait autre chose que ça, que ce carnage qu'il y avait, parce que c'était affreux, ça. Hein, ça hein. Vous n'aviez que des filles, vous? Moi, je n'avais que des filles. J'en avais 50, 49, 50. Voilà. C'était des gosses qui ne parlaient pas du tout français. Et que vous ne parlez pas un mot de Kabyle, hein, ah, non. Comment vous avez fait? Eh bien, je ne sais pas, c'est le miracle du siècle. Alors vous les faisiez répéter? Voilà. Ils arrivaient à répéter très facilement? Ah oui, très facilement. Très facilement, oui. Écoutez, en 2 ans, je vous assure, les gosses, quand je suis partie, m'ont écrit et me disaient... Il y en a une qui m'a écrit, qui m'a dit... Depuis que tu es partie, mademoiselle Jeanne, je pleure comme le soleil en hiver. Vous croyez que c'est pas beau, ça? Des gosses qui ne savaient ni lire ni écrire? Mais je trouve que c'est merveilleux. Et que sont-elles devenues, ces petites, maintenant? Je n'en sais rien. Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive. Elle court comme un ruisseau que des enfants poursuivent. Courez, courez, vite si vous le pouvez. Jamais... jamais vous ne la rattraperez. Vous faites la connaissance d'une journaliste qui va devenir une journaliste vedette de l'Écho d'Alger, Marie Elbe. Un beau jour, il y a le chef de cabinet de Faure, du général Faure, me dit, disons, on va t'envoyer une journaliste de l'Écho d'Alger. Et, oh, je dis, moi, une journaliste, je n'ai que foutre, je ne vais pas perdre mon temps, je n'ai pas de temps à perdre. Si, le général Faure, il tient... Est-ce que tu l'accueilles? On dit, Madame Massu fait une opération, machine à coudre. Et tu devrais aller faire ça, quoi, dans ça une sas. Et quand je suis arrivée en hélicoptère là, sur la DZ des Bénitoilins, j'ai vu le grognard, là, Oudinot, avec son truc comme ça, et qui l'a pris un peu comme ça, et qui m'a dit, ah bon, vous venez pour les machines à coudre, nanana. Il m'a dit, si c'est pour ça, c'est pas la peine. Et je lui ai dit, si dans ces cas-là, je repars. D'accord. C'est comme ça que ça s'est passé. Il m'a dit, ah bon, allez, hop, venez. Et alors là, je me suis aperçu que... Alors, il décrit un peu le personnage, là, parce que... Ah ben, c'est un personnage tonitruant, quand même, Oudinot, hein. C'est un grognard, c'est un type. Et alors, il parlait au Kabyle. Il ne disait pas, par exemple, ta femme, ta bourgeoise, il disait. Tu vois, alors il disait, alors ta bourgeoise, qu'est-ce qu'elle fait? Et il leur parlait comme ça. Et ça les faisait rire, les Kabyles, hein, ça les amusait beaucoup.
Ça m'apparaît toujours. On amène à Tahiti, l'ordonnance, on amène du poulet avec des petits pois. Et Marielle me dit, mais est-ce que vous êtes des fois attaqué? J'ai attaqué, jamais. J'ai attaqué, pas attaqué. Elle n'avait pas fini de dire ça, et coup de fusil qui pète de la colline d'à côté, et des coups de fusil de chasse de sur la gauche, et coups de fusil de chasse de la colline qui était au-dessus. Bon, mais 15 coups de pétoir, 20 coups de pétoir. Bon. Moi, je veux bien qu'il n'y ait qu'un fusil de chasse, mais enfin... Et c'est là que Oudinot a parlé dans la nuit au Félouz, là, au FLN, et qu'il leur a dit qu'il y a 23 villages à rallier, ils seront ralliés les uns après les autres. Et le lendemain, on est allé dans un village qui était près de un des villages à rallier, qui s'appelait Tagbuntugerouche, où le FLN était passé certainement dans la nuit, ou le matin, j'en sais rien, parce qu'il y avait encore sur les murs les inscriptions FLN, la peinture était fraîche. Le village était absolument pétrifié. Il y a une vieille femme qui a traversé comme une volaille affolée la rue, qui a couru quand elle nous a vus. Et Oudinot a convoqué la Djemma, qui est un peu le conseil municipal du village. Ils sont venus et ça a été quand même une scène assez bizarre. La Djemma, ils ne disaient pas un mot. Ils se sont assis sur un banc en pierre et en face, il y avait un tronc d'arbre qui servait d'autre banc. Oudinot s'est mis à cheval sur son tronc d'arbre et les gars étaient là, ils ne disaient pas un mot. Il y avait un silence. On sentait très bien que les gens ne voulaient pas parler. Donc on va arriver à 59. Donc ça, c'est le tandem de l'ouvrier Châle. 59, le pouvoir... est divisé à l'échelon le plus haut. Les pouvoirs militaires sont au général Châle et les pouvoirs civils les mains de l'ouvrier. Le général Châle a mis sur pied son plan, qui était une espèce de rouleau compresseur, on dégage une zone et on commence par un bout et on finit par l'autre. Le début de basculement s'est produit avant l'arrivée du plan Châle. Mmh. Le début de basculement, je le sentais venir. Mmh. Il a démarré au mois de juin par Tizibel. Aussitôt après, ça a été la rafale Takmuntazouz, les deux gros villages qui ont basculé. Dans la foulée, j'ai toute la commune du sud, Takmuntukerouche et Ichardjouen, qui ont suivi. Alors nous allons arriver à la visite du général chez vous. Donc ça se passe en août, hein, si je ne me trompe pas. En août 59. 59. Vous êtes à 22 villages ralliés à ce moment-là. Oui, déjà, oui. Déjà. Et donc, à l'heure dite, le général se pose. Auparavant, il y avait toute une tribu qui était arrivée, toute sa suite, y compris le général Massu, Allard, Godard, une tripotée de journalistes. Et c'est là que, pour la première fois, il a déballé l'autodétermination. Il a rodé son discours à Tizi Ibel. Et j'avais mis un interprète, Simoud, qui était censé traduire les phrases de De Gaulle, phrase par phrase, etc. Et au fur et à mesure qu'il parlait, les hommes qui parlaient le français, je voyais que leur mine s'allongeait, qu'ils me regardaient, l'air de dire que le capitaine ne dit rien. Bon. Et puis les femmes, à chaque fois qu'ils se disaient « Bravo !» Je me suis dit, là on avait mal digéré son discours, après je me suis dit, il y a un truc là. J'ai dit à Simoud, dis donc, t'as bien traduit ce qu'a dit le général de Gaulle? Il m'a dit, t'es pas fou mon capitaine, t'as entendu ce qu'il a dit? Non. J'ai dit, qu'est-ce que t'as dit alors? Eh, j'ai dit, comme tu dis d'habitude, l'Algérie française, le pain pour nos enfants, c'est la France, etc. Et t'as vu, tout le monde était content. Comme ça, t'auras même pas besoin de t'emmerder à leur expliquer. On peut maintenant
discerner le moment où les femmes et les hommes qui habitent l'Algérie seront en mesure de décider de leur destin une fois pour toutes, librement, en connaissance de cause. Compte tenu de toutes les données algériennes, nationales, internationales du problème, je considère comme nécessaire que ce recours à l'autodétermination soit proclamé aujourd'hui. Je m'engage à consulter les Algériens dans leurs 12 départements au sujet du destin qu'ils veulent adopter. Le discours d'autodétermination, nous, on a tout de suite compris que De Gaulle se dégonflait, et ça, on l'interprétait comme ça. Et la population, les hommes, hein, ont immédiatement douté. C'était plus clair ni net. Et ils m'ont dit, pourquoi on nous demande maintenant de dire deux fois ce qu'on a déjà dit avec notre peau et en prenant un fusil? Pourquoi nous faire répéter deux fois la même chose? Nous, on a choisi. Voilà. Et donc, je leur ai dit, ben, j'ai prêché. J'ai dit, voilà, les trois cas sont prévus. Bon, pourquoi pas, après tout, on est devant l'obstacle, il faut le sauter. On continue à travailler comme on a travaillé. L'Algérie restera française et on votera pour l'Algérie française. Et puis, un point, c'est tout. Le discours d'Oudinot, et c'était son rôle, encore une fois, c'était l'Algérie française. Pourquoi ils vont vouloir être français? Parce que nous sommes le camp de la paix, nous ramenons l'ordre. L'ordre, le confort, les écoles, etc. Tout, quoi. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils se sentaient français, c'est ça, c'est peut-être là le cœur du problème. Je crois qu'ils se sentaient arabes musulmans, mais ils voulaient continuer à vivre avec une présence française. Il y en a beaucoup d'arabes quand même. Il y avait quand même 200 000 arabes dans l'armée française. Oui, mais vivre avec une présence française ou vivre dans un État indépendant à côté de la France? Non, ce qu'il fallait leur donner, c'était leur donner des possibilités quand même de ne pas avoir l'air d'être le pauvre type du coin, quoi, d'être des citoyens comme nous. Pendant que les Béni Douala sont dans leur planète, là, inquiets, mais quand même toujours... Eh, pas que moi qui étais comme ça. Ouais. La planète de Béni Douala n'était pas isolée, elle était comme ce qu'il y a dans le ciel, vous savez. Toutes les sas n'étaient pas comme Béni Douala, mais il y en avait tout de même une bonne partie qui tenait la route. Hein. On arrive à l'année 60, c'est le début du grand chambardement. En ville? Oui, mais c'est ce que vous dites. Je dis, parce que dans votre coin, vous êtes dans une planète parce qu'en ville, relativement protégée, et puis le reste de... En ville, non, pas protégée nous-mêmes, parce qu'en ville, ils ont lâché la bride. Dans l'année 60, la victoire militaire est acquise, et en même temps, va se produire dans les grandes villes, en particulier à Alger... Fin 60, oui. ce qu'on peut appeler un Dien Bien Phu psychologique, c'est-à-dire que tout d'un coup, on va voir dans les quartiers populaires d'Alger se couvrir de drapeaux FLN. Et il y a d'un côté une victoire militaire à l'intérieur, mais en même temps, il y a une défaite politique. Dans les villes, dans la ville, mais pas dans le bled. Alger, c'est pas l'Algérie. Les événements de 60, vous savez comment ils ont répondu chez nous? Ils se sont rassemblés sur la place de Béni Douala. Ils faisaient un temps de cochon. Ils se sont rassemblés, ils ont fait une motion de confiance au général Challes, et en disant que de toute façon, ils comptaient sur l'armée. C'est à partir de 60 que vous commencez à recevoir ces petits mots de billets là qui sont... Oh non, on les reçoit. Nous connaissons toutes tes petites saloperies. Oui. Compte tes os, cela ne durera pas. Le comité révolutionnaire républicain, section d'Alger. J'en ai reçu. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? J'en ai reçu, je ne sais pas combien, des lettres de menaces. Et vous avez su d'où ça venait, ça, exactement? Non, jamais. Mais tout ça, c'était signé Plumeau. Quand est-ce que vous avez commencé à vous dire qu'on avait atteint le point de non-retour? Quand il a organisé son référendum de début 61. Là, alors là, les Kabyles n'ont plus rien compris du tout. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on commence encore? Ils m'ont tous dit, l'Algérie algérienne, hein, aujourd'hui c'est l'Algérie algérienne, demain
en centre-gorge. Et ils ne se trompaient pas. Dans cette histoire des sas, qu'est-ce que c'est les Kabyles ou les Arabes, enfin, bon, c'est quoi? C'est en même temps le champ de bataille, l'objectif et l'enjeu. Hein, les Arabes. Alors, on peut leur dire ceci, cela, jusqu'au jour où ils te disent est-ce que la France va rester? Et c'est la seule question à partir de Gaulle à laquelle on ne peut pas répondre. À partir du moment où on ne peut pas leur... C'est ça l'ambiguïté de l'histoire. À partir du moment où on ne peut pas leur dire « Non, on reste », ben, ça commence à flotter, hein. Reste à régler l'affaire algérienne pendante depuis 130 ans. Nous avons fait, certes, beaucoup en Algérie, pour l'Algérie, mais nous n'avions pas fait à temps des choses qu'il aurait fallu faire, si bien que le bouillonnement a fait un jour sauter le couvercle. Ayant repris la tête de la France, j'ai, on le sait, décidé en son nom de suivre un chemin nouveau. Ce chemin conduit non plus au gouvernement de l'Algérie par la métropole française, mais à l'Algérie algérienne. C'est politiquement le moment de la cassure, le moment où on va, où De Gaulle va infléchir sa politique. Et elle va s'infléchir progressivement toute la fin de l'année 59, début de l'année 60. Et contrairement donc à cet infléchissement qui est voulu par le gouvernement français, nous, à Béni-Douala et en Kabylie, la Kabylie, on va continuer à progresser d'une façon fulgurante. Oui. Ça va aller de ralliement en ralliement, malgré toutes les accrocs qu'il pouvait y avoir extérieurement. Après, il y a eu tous les problèmes à Alger, le rappel de Massu, etc., qui a marqué donc un coup dur. Le général Faure qui a été foutu à la porte, et toute la charrette des gens qui ont été expédiés. Donc tout ça aurait dû créer une espèce de déroute. Or, juste dans le même moment où le problème se posait à Alger, j'ai eu le ralliement de Zahir Toufella, par exemple. Hein, Tahir Toufella, il y avait de la neige, il y avait ça, épais comme ça. Hein, vous, Tahir Toufella, les gens de Tahir Toufella, je leur avais dit, venez me donner un coup de main pour déblayer la neige du foyer de jeunes. Ils sont venus, ils en ont profité, réunis dans la cour, ils m'ont appelé, j'étais à la popote, ils m'ont dit, mon capitaine, nous aussi on veut se rallier. Arrivé au putsch, vous allez recevoir d'abord votre ordre de mutation. Début 61, le préfet avait décidé, après le référendum, de se débarrasser de moi. Bon, mais ils se sont aperçus que l'autorité militaire n'était pas d'accord, parce que, comme je commandais civil et militaire, et qu'on avait affaire à une population armée, m'arracher à Béni-Douala, ils avaient la trouille. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'autorité civile, le préfet Tizi Ouzou, mais certainement au-dessus de lui, vous considérez comme un activiste? Non, comme un gêneur. J'étais conforme à la voie qu'on m'avait tracée, à la voie qui m'était tracée. J'étais sur la route et je ne voulais pas la quitter. Il n'y a aucune raison que moi, que je dévie sous prétexte que le chef de l'État avait marché à côté de ses pompes. Il n'y a pas de raison. Et là, vous voyez arriver un nouveau patron, le général Simon. C'était un fidèle parmi les fidèles, c'était sûr. Bon. Et quand il a FFL, Simon, Force Française Libre. Oui. Et quand il est venu à Béni-Douala, il est venu pour voir quelle couleur avait la bête. Hein. On avait discuté, parlé tranquillement. Je n'étais pas beaucoup intéressé à mon boulot. Il avait été surpris simplement que les postes soient mixtes, harkis-troupes. Il s'est étonné. Bon, je lui ai dit, vous voyez, ça marche comme ça. Tout marche très bien en général. À ce moment-là, j'ai reçu d'Alger, j'ai appris que ma demande de prolongation était refusée. J'étais viré, mais voilà, officiellement, par mutation. Alors la mutation dans l'armée, c'est un garde à vous repos, hein, c'est tout. Mais je n'ai rien dit à personne. Mais vous avez une réunion, c'est à Borges-Médaillel, ça s'est passé, ça? Oui, avec d'autres sens. Après. Et là, vous rencontrez des gens qui ont participé à Paris, avec le général Faure, le colonel Argou, Godard, garde et toute l'équipe. Je rencontre un copain, oui. Le chef de SAS.
Vous commencez à connaître les préparatifs du putsch. Non, qui était dans le coup, qui avait été envoyé à Paris, assisté à la réunion de Paris. Il y avait le banc et l'arrière-banc des généraux qui avaient été virés d'Algérie. Et il me dit, voilà, il m'explique ce qui s'était passé. Et que Faure, au cours de cette réunion, avait dit à Argout, qui était un peu le maître d'œuvre de cette affaire, avait dit à Argout, il y a une chose très importante qu'il ne faut pas louper, c'est la Kabylie. La Kabylie, c'est une pièce très importante dans le problème algérien. Et il savait de quoi il parlait, puisqu'il avait commandé la Kabylie et qu'il en a été viré en janvier 60. Argout a dit, bon, ben, il faudrait un colonel pour remplacer le général Simon. Alors, Faure a dit, moi, je connais qu'un type qui est capable de vous dépanner et qui marchera certainement, c'est Ougilo. Si on lui dit de trouver un colonel, il va trouver un colonel. C'est la mission que j'ai reçue, c'est de trouver un colonel pour remplacer le général. Mission première. Est-ce que vous comprenez à ce moment-là qu'ils vont faire un putsch ou pas? Bien sûr. Bah tiens. Et vous n'êtes pas posé la question de vous dire dans quoi je m'engage là? Non, ne me posez pas de question. Je me suis dit, c'est le parachute qui me manquait pour ne pas tomber en chute libre. Hein. C'est vraiment, pour moi, c'était le rêve inespéré qui se réalisait. J'étais averti. Donc, 48 heures avant, que le putsch allait se déclencher à Alger, à 2 heures du matin. Bon. Mais moi, je n'étais pas aux ordres d'Alger, j'étais aux ordres de Front National, du colonel Roca. Celui qui a été désigné par les putschistes. C'est du colonel de Front National, oui, que j'avais trouvé, qui avait été d'accord. Je savais que ça se déclenchait sur Alger, mais n'ayant pas d'ordre, j'ai quand même fait une réunion la veille à après-midi, à Tizi Ouzou, 6h30, j'arrive au bistrot, il y avait déjà quelques clopards qui étaient là. Et il n'y avait pas 5 minutes que j'étais là, on me tape sur l'épaule, c'était le colonel Allé. Le colonel Allé m'a dit, Oudino, venez avec moi, le général veut vous voir immédiatement. Et je suis rentré avec le colonel Allé chez le général Simon. Et c'est là qu'il m'a dit, Oudino, vous allez faire un coup cette nuit et vous allez porter la main sur moi. Alors là, je dis au général, certainement pas. Moi-même, je ne lui ai pas dit, mais c'est une chose que j'avais refusé de faire. Je dis au général, moi, non, je n'ai pas l'intention de porter la main sur vous. Oui, mais il paraît que le préfet serait neutralisé par vous, etc. J'ai dit, alors là, j'ai dit au général, vous savez que en quelle haute estime je tiens le préfet, et donc si j'avais l'occasion effectivement de lui jouer un mauvais tour, je ne le louperais pas. Bon, c'est tout. Il a dit, bon, eh bien, puisque c'est comme ça, je vous garde ici cette nuit. Cette nuit, des militaires ont occupé des bâtiments publics, et notamment ceux de l'agence France-Presse et ceux de la radio. Français et Françaises, de toutes origines et de toutes confessions, l'armée vous parle. Vous avez devant vous les généraux Challes, Jouot et Zeller. Le 13 mai, l'armée française avait fait le serment solennel de garder l'Algérie dans la souveraineté française. Ce serment, nous venons aujourd'hui, au nom de l'armée, vous le renouveler. Nous assurons les musulmans que la France ne les abandonnera jamais. Ils peuvent être certains d'avoir dans notre belle Algérie fraternelle la place de choix qu'ils méritent. Après tout ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a une réunion entre tous les officiers de la zone. Roca a dit, on ne change rien, la mission est comme avant. Oui, mais attendez. Si ça se passe à Alger, ça ne le regarde pas. La mission, c'est comme avant, on continue la chasse aux Fels et il faut gagner le plus vite possible. Après, il est arrivé un commandant de chasseurs à pied, du chasseur alpin, qui commandait le secteur de, si j'ai bonne mémoire, de Tixirt. Et qui lui a dit, mon colonel, moi je suis net et clair. Moi c'est non, je reste, je suis le général de Gaulle, et je rentre dans mon quartier, je garde mon commandement, et le premier qui vient m'emmerder, je lui tire dans la gueule. Et vous vous êtes jamais posé la question, là, ça n'a rien à voir avec les événements en eux-mêmes, mais de vous dire qu'après tout, moi, je suis officier, j'ai été formé pour obéir au pouvoir civil. Là, si je m'en lance dans une aventure comme celle-là,
Le gros problème pour nous, ça a précisément été ça. C'est la position de révolte quand on a été élevé, qu'on a vécu au nom de la discipline militaire. Et prendre la position de révolté, il faut réellement en avoir plein le sac, hein, plein les bottes, pour en arriver à cette position-là. Et croyez-moi, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'un soldat se dresse contre l'ordre établi. Leur entreprise ne peut conduire qu'à un désastre national. Voici que l'État est bafoué, la nation bravée, notre puissance dégradée, notre prestige international abaissé, notre rôle et notre place en Afrique compromis. Et par qui ? Hélas, 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 par des hommes dont c'était le devoir, l'honneur, la raison d'être, de servir et d'obéir. Comment réagissent les appelés là, à ce discours ? Ah, les appelés, j'ai eu un problème. Pas 36, un problème. Avec un poste. Un type, le poste de Tagoud Azouz, du Piton, le soir, à 8h du soir, qui m'a appelé. Il m'a dit, voilà, mon commandant, il faudrait que vous veniez le plus tôt possible au poste pour régler le problème, parce que mes hommes refusent de sortir en opération, et les harkis sont mis dans un coin, ils se regardent en chien de faïence, et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, tenez, je vais vous passer quelqu'un. Alors, il me passe un caporal ou un grand chef qui fait... Appeler? Oui, bien sûr, c'était des appelés. Hein. Il dit, voilà, il pleurait, parce que le type. Il dit, oui, mon capitaine, c'est pas contre vous. On s'est mis en grève au poste, parce qu'on nous a dit que tous les postes étaient en grève. Alors, nous aussi, mais on vous en veut pas à vous. Mais vous comprenez, nous, on veut retourner chez nous. Voilà. Alors, j'ai dit, écoute, arrête de pleurer, j'arrive. Je suis allé, je leur ai dit, les gars, hein, il ne s'est rien passé, on n'en parle plus. Moi, j'exécute les ordres que je reçois parce qu'il n'y a rien de changé. On continue à chasser les fêles. Hein. Alors vous continuez à chasser les fêles. Vous ne pouvez pas abandonner vos camarades, vous ne pouvez pas abandonner vos harkis. Alors vous m'obéissez, vous continuez à servir comme vous avez servi. Quel jugement vous avez porté sur cette malheureuse aventure du putsch là ? Ben, je pense qu'ils avaient trop attendu. Ou d'autre part, que ce n'étaient pas des révolutionnaires. C'était des militaires. Ils ont fait le truc, ils ont dit, au fond, leur pensée me semble assez simple, on va dire que l'armée n'est pas d'accord, et puis voilà. Et puis, ils verraient bien... Et ça suffira. Ça suffira. Voilà. Quand vous rentrez en métropole... La métropolitaine, les petits gars sont rentrés, l'Algérie, on s'en fout, voilà. On passe à autre chose. C'était les 30 Glorieuses, il y a du travail, tout le monde est content. En fait, vous allez avoir à payer le prix de votre engagement dans une aventure qui était perdue d'avance. Alors, Simon, donc le général, quand il est rentré à Tizi-Ouzou, m'a convoqué à 3h de l'après-midi, et il m'a dit, c'est terminé, vous passez votre commandement dès demain matin. Alors, allez, a pris la parole, il a dit, mon général, je pense que ça pose quand même quelques problèmes, parce que vous savez quand même que Oudinot, là-haut, aussi bien même chez les soldats que chez les harkis sur la population, il tient sa place et qu'on ne peut pas l'enlever, l'arracher comme ça, sans y mettre des formes. Alors, il m'a dit, Oudinot, combien il vous faut de temps pour mettre les choses en ordre, pour passer les choses, expliquer les choses, en vous abritant derrière votre mutation. J'ai dit, écoutez, donnez-moi 2 jours. Alors, j'ai réuni les chefs de village et je leur ai parlé, je leur ai dit, voilà, je ne vais pas vous mentir, je vais aller répondre devant la justice de mon pays, de notre pays,
l'attitude que j'ai eue ici avec vous. J'ai pris toute la responsabilité sur moi. Et je vous défendrai encore jusqu'au bout dans votre intérêt, dans l'intérêt de la France. Et à ce moment-là, j'ai vu arriver au grand galop le boulanger de Talarlil qui avait inauguré son four à pain qu'on lui avait financé, etc. Bon. Et il avait su, par le poste, que j'allais partir, qu'il se passait quelque chose. Il venait de sortir de la première fournée du four et il a enjambé son mulet, il a pris le pain, un pain sous le bras, et puis il est arrivé au quadruple galop dans la cour du Borge où je faisais mes adieux. Il a sauté en bas de son mulet. Il a dit, mon capitaine, on m'a dit que tu partais, tu ne pouvais pas partir comme ça. Moi, je voulais te faire un cadeau, je voulais te donner quelque chose. Tout est à toi. Si tu veux, voilà, le premier pain qui est sorti de ton four, eh ben, j'ai pensé que ça te ferait plaisir de l'avoir. Voilà. J'ai pris le pain, le plus beau pain de ma vie. Le 18 juin, à 2h du matin, je franchissais la porte de la prison de Vresnes. J'ai regardé l'heure, il était 2h du matin. C'est vous qui mettez vos décorations sur la porte ? À tout le monde. Une légion d'honneur n'aura jamais rentré en prison, ni une croix de guerre. Comportement des gardiens ? Oh, les gardiens étaient avec nous réellement honnêtes. Ils étaient, vous savez, gêné. On a été au secret pendant un bout de temps. Et après, on avait obtenu le régime politique. C'est-à-dire que les portes étaient ouvertes le matin et refermées le soir, bien entendu. Alors, on en termine avec le procès. Vous avez été acquitté parce que finalement, il n'y avait pas de preuves de votre participation au complot, c'est si, ça ? Si, bien sûr que si. Oui. Mais ils ont retenu le non passage à l'acte. Je ne pouvais pas passer un acte, j'étais déjà en caisse. Donc ils n'ont pas pu prouver qu'il y avait préméditation. Pour eux, j'ai pris le train en marche, j'ai été un rebelle, parce qu'on m'a poussé. Mais comment vous expliquez, ça sera la dernière question, comment vous expliquez qu'aujourd'hui, par exemple, la communauté kabyle ici en France, en particulier à Paris, et ceux qui sont les habitants de Tizi Ouzbel, refusent de parler de tout ça aujourd'hui ? Parce qu'ils ont une deuxième histoire qui est venue au-dessus de la première, et que leurs histoires actuelles, on ne sait pas trop bien où ils en sont actuellement. Les histoires d'il y a deux guerres, comme ils disent, hein. C'est vieux. Hein. Actuellement, je pense qu'il y a d'autres problèmes. Hein. Qu'est-ce que vous avez fait comme bilan personnel, en dehors du fait que votre mari a été arrêté, et qu'il est entré dans une aventure un peu extrême ? Eh bien, j'ai pensé que tout ça allait disparaître. Vous avez jamais eu envie d'y retourner depuis l'indépendance ? Non. Et si on vous proposait d'y retourner, vous iriez là maintenant ? Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Parce que qu'est-ce qu'on... On leur a donné de l'espoir et puis ensuite on les a laissés mourir. On les a abandonnés. Les harkis qui reviennent et qui étaient sur le bateau ont été hués à Marseille. Et quant au gouvernement, ceux qui ne sont pas débrouillés par eux-mêmes, il les a foutus dans des camps. Alors, bon, c'est tout, quoi, voilà. On est les pestiférés, quoi, bon, c'est tout. Bon, voilà. Vaut mieux pas en parler. Alors, j'ai trouvé sur le site, il parle de ce qui s'est passé dans les Béni-Douala après la dépendance. Alors, vous voyez ici, au Béni-Douala, un camp de représailles et de torture a été ouvert dans les locaux de la SAS du capitaine Oudinot. Les harkis de la région y ont été internés. Certains, dont le harki Belkacem, si c'est vrai, c'est terrifiant, ont eu les paupières cousues, ont été maquillés et habillés en femmes et promenés dans le village. Vous avez entendu parler de choses comme non. ça ? Non, mais j'étais pas, oui. j'étais plus. Non. non, mais vous auriez pu avoir des courriers. Non, ou pas. Non. Moi, j'ai essayé de sauver mon infirmier, Ouldali. Mais Ouldali, il n'a pas voulu venir en France. Et vous savez ce qu'il est devenu ? On parle de trucs, il serait vivant et il serait plutôt clochard, mais je n'ai pas pu le mettre la main dessus. Voilà. Ouldali, quand. Moi, Oudinot étant parti, je ne pouvais plus faire grand-chose. Qu'est-ce que la France a perdu dans cette histoire alors ? L'honneur.
J'aurais préféré qu'on ne me mente pas. Comme ça, je n'aurais pas embarqué les gens avec moi comme je l'ai fait. Quand je suis parti en Algérie, j'avais décidé de... On venait de me faire perdre une guerre en Indochine. J'avais décidé de ne pas en perdre une deuxième. On m'a donné les moyens de la gagner. J'ai honoré les moyens qu'on m'a donnés. J'ai cru sincèrement que j'étais sur la bonne voie, que le bonheur de la Kabylie était au bout du chemin. Et c'est sur ce chemin-là que j'ai voulu les emmener. Ils m'ont suivi. Et malheureusement, l'issue a été fatale pour eux comme pour moi. Retour sur le plateau de ces oublis de l'histoire, après ce document exceptionnel et ce témoignage très fort du capitaine Georges Oudinot, qui a été commandant donc de la section administrative spécialisée de Beni Douala en Grande Kabylie, Algérie, et ça de 1956 à 1961. Et pour évoquer ces oublis de l'histoire de la guerre d'Algérie, plusieurs personnalités vont nous rejoindre et je souhaite saluer le général Henri-Jean Fournier. Bonsoir mon général, vous êtes président de Soldis, soldats disparus, membre de la ZAF, qui est l'association de soutien à l'armée française, et vous êtes surtout l'organisateur, ce 5 décembre, vous avez été l'organisateur de la manifestation 1000 drapeaux pour 100 000 morts. Et à vos côtés, je salue Michel Desglin, ancien officier, lieutenant appelé du contingent SAS en Algérie. Vous avez été SAS en Algérie. Quand vous avez regardé ce document exceptionnel, quand vous regardez le capitaine Oudinot, quel est votre sentiment? Est-ce que vous aussi, vous avez vécu cela? Chacun de ceux qui ont été dans des SAS ont vécu beaucoup de ce qui apparaît dans ce film et ont vécu vraiment quotidiennement. Ça a été ce long passage dans les SAS, j'y suis resté 2 ans. Donc on a eu notre époque de prise de connaissance de la population, savoir comment on pouvait apporter une aide, car notre but était essentiellement de créer un lien très fort, un lien presque affectif, avec des gens qui avaient été trop longtemps oubliés et qui avaient été déplacés du fait des événements des années précédentes. Je pense, moi, j'étais dans une SAS en Oranie, de l'arrondissement d'Aïn Temouchent, SAS qui s'appelait Wedberkesh, je veux évoquer ce nom, et qui a été qui était matérialisé par un bordj, très, très, très fortifié, un véritable château fort à côté d'un village de regroupement qui était au centre du secteur de la SAS, lequel secteur comprenait aussi trois autres agglomérations, trois autres villages. Alors, d'un autre côté, vous savez que ce documentaire a été ce document difficile à réaliser, que beaucoup de gens s'y opposaient. Est-ce que vous ne voyez pas quand même à travers ce témoignage, à travers le vôtre aujourd'hui, peut-être une vision partielle,
partiale, partisane de l'histoire. Mais certainement, certainement. On ne peut pas englober l'histoire, ne serait-ce qu'à notre niveau de SAS, qui était limité dans un espace relativement restreint, enfin, puisque je ne me souviens plus du nombre de kilomètres carrés qui était dans sous notre autorité. Mais c'était évidemment, nous avions pour but non pas de créer l'histoire, mais de faire vivre au quotidien et de vivre au quotidien à côté des gens, en leur faisant comprendre que nous étions à leur service. Une vision fidèle, mon général, est-ce que vous êtes d'accord, général Fournier, avec cela, en regardant ce document, quel est votre sentiment ? Je dirais, bien que n'ayant pas participé à la guerre d'Algérie, mais ayant vécu cette période dans mon adolescence, je dirais que cette vision est certes partiale, mais elle est aussi fidèle, dans la mesure où c'est bien ce qui s'est produit sur le terrain. Bon, le cas du capitaine Oudinot est un cas exceptionnel, mais beaucoup d'autres officiers qui ont servi dans les SAS, et M. Duguay est là pour le prouver, ont ressenti la même chose. C'est néanmoins une vision partielle, dans la mesure où il n'y a pas eu que ça en Algérie. Il y a eu la partie de la guerre, c'est-à-dire la lutte contre une rébellion, une lutte armée contre une rébellion armée, avec des faits de guerre. Et puis il y avait un autre aspect qui était la sécurité générale du territoire, qui devait être assurée, puisque c'était des départements français qu'il fallait donc mettre en sécurité. Donc je crois que ce film présente une facette de la guerre d'Algérie, une facette particulièrement importante, et d'autant plus importante que je prendrai pour témoignage celui de Jean Lacouture, qui avait écrit à l'époque que la mission des SAS était quelque chose de révolutionnaire, dans la mesure où cette conquête des cœurs pouvait faire basculer justement et lutter efficacement contre la rébellion. D'ailleurs, ça a marché. Est-ce que, quand vous faites ces commémorations, comme le 5 décembre, pour vous, quel est l'essentiel ? C'est d'abord rendre hommage, bien sûr, à ces morts, soldats et Français, résidant en Algérie, ou est-ce que c'est aussi la volonté de rétablir la vérité, les vérités ? Alors, c'est effectivement une double démarche. La première démarche que nous avons fait cette année, à travers cette opération des 1000 drapeaux pour nos 100 000 morts, nous l'avons voulu de manière un petit peu plus spectaculaire que d'habitude, parce que nous voulions rendre un hommage appuyé à tous les combattants qui sont morts pour la France en Afrique du Nord. Je précise bien Afrique du Nord d'ailleurs parce que on a trop tendance à oublier qu'il y a eu des combats au Maroc et en Tunisie avant le début de la guerre d'Algérie et qu'il y a eu aussi des combattants français qui sont morts là-bas. On a aussi tendance à oublier que la guerre ne s'est malheureusement pas arrêtée après le 19 mars 1962, date du cessez-le-feu, qui aurait dû faire cesser le feu, et en fait le feu n'a pas cessé, puisque uniquement pour l'armée française régulière, il y a eu encore 750 morts pendant les 2 années et demie de présence de l'armée française en Algérie, ce qui fait presque un mort par jour à l'époque, un mort par jour en moyenne. Et puis nous avons voulu rendre un hommage particulier à nos frères d'armes qui étaient les harkis. Nous ne savons pas combien sont réellement morts après le 19 mars 1962, mais les estimations les plus sérieuses donnent un chiffre de 75 000 hommes qui sont morts, et c'est quand même quelque chose d'important. Et accessoirement, mais c'est ce qui est l'emblématique de notre manifestation, nous avons voulu rendre hommage à 8 anciens combattants nord-africains du petit village de Mostaganem, petite ville de Mostaganem, pardon pour les anciens de Mostaganem, anciens combattants qui avaient fait la campagne de France, qui avaient libéré la France, qui avaient occupé l'Allemagne, campagne d'Italie, qui ont combattu en Indochine, et qui sont tous morts, assassinés de 1957 à 1961, parce qu'ils portaient le drapeau de leur amicale. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu rassembler 1000 porte-drapeaux en hommage à ces hommes. 1000 porte-drapeaux avec un rassemblement de toutes les associations, c'est là aussi une réussite. Oui, alors c'est une réussite qui en fait ne date pas de cette manifestation, c'est une réussite qui date depuis toujours, puisque lorsque s'est posée la question de choisir une date commémorative pour célébrer les combats d'Algérie, les combattants d'Algérie, il y a eu une commission qui a réuni toutes les associations ayant participé à la guerre d'Algérie, et elles sont toutes tombées d'accord sur la date du 5 décembre, sauf deux qui ne l'ont pas acceptée. Donc depuis toujours, toutes les associations, sauf deux, célèbrent et commémorent le 5 décembre.
Est-ce que ce 5 décembre, c'est la date qui doit exister et celle qui doit être supprimée, c'est celle du 19 mars 62? Alors, je ne sais pas s'il faut en supprimer une. En tout cas, celle du 5 décembre offre l'avantage d'être totalement neutre car elle ne correspond à rien sur le plan historique. Elle ne correspond à rien et donc elle permet à tout le monde, quelles que soient ses opinions politiques et quel que soit son rôle dans le conflit, de pouvoir se rassembler simplement autour du souvenir des morts en Algérie et au Maroc et en Tunisie, ce que ne fait pas la date du 19 mars puisqu'elle ne concerne pas les combats du Maroc et de Tunisie. Est-ce que c'est important pour vous de porter témoignage pour les générations futures aussi, qui peuvent oublier ? Je crois que c'est très important. C'est très important parce que la guerre d'Algérie est une guerre, comme toutes les guerres, qui comporte des aspects qui ne sont pas très agréables. Mais elle a surtout, on a instillé dans l'esprit français depuis 50 ans maintenant, une sorte de honte d'avoir fait la guerre d'Algérie. Et les anciens combattants d'Algérie ont bien du mal à relever la tête. Et nous avons voulu que derrière leur drapeau, ils relèvent la tête justement, parce que il y a eu des tas de choses qui ont été faites en Algérie qui sont tout à fait honorables. Et l'exemple que nous avons vu du capitaine Oudinot et des autres SAS, et d'autres exemples aussi, est là pour le prouver. Une dernière question, c'est pour Michel Desglin, je souhaite la poser. On voit dans le documentaire le capitaine Oudinot qui dit « Quand je suis parti en Algérie, on venait de me faire perdre la guerre en Indochine et j'avais décidé de ne pas en perdre une deuxième. » Quel était votre état d'esprit à vous à ce moment-là ? Mon état d'esprit était celui de quelqu'un qui doit aller... appelé par la patrie, qui doit aller sur place pour essayer d'aider au rétablissement d'une paix qui est totalement compromise par une organisation qui était hostile aux Français et qui était dont les actions étaient dirigées contre tous ceux qui pouvaient apporter leur aide aux Français. Enfin, et lorsque nous sommes arrivés, je suis passé par l'école militaire de Cherchel. Moi, je suis resté 6 mois avec des aléas. Lorsque j'ai été nommé en Oranie, donc cette volonté d'aider les gens qui étaient des populations très abandonnées sur le plan administratif. C'est ça qu'on ne dira pas assez, très abandonnées. Je sais qu'il y avait des communes mixtes qui étaient immenses avec un administrateur. Enfin, c'était ridicule comme maillage administratif. Or, nous, les SAS, nous avons aidé justement à créer les conditions d'une vie normale, d'essayer de créer les conditions d'existence de gens avec un village, des maires, des conseils municipaux, des villages où il y aurait l'eau, l'électricité, et où serait maintenu la paix grâce notamment à nos services, nos administratifs. Notamment, je pense à notre interprète qui était un interprète judiciaire et qui a été écouté comme le Messie. Merci beaucoup pour ce témoignage. On se retrouve dans quelques instants sur le plateau des Oublis de l'Histoire. Retour sur ce plateau des Oublis de l'Histoire en compagnie du général Fournier et à nos côtés le professeur Olivier Dard qui est professeur d'histoire contemporaine à Paris 4, Paris 4 c'est la Sorbonne, à Paris. Et chacun, je souhaiterais que vous me donniez votre avis sur cette fin de cette guerre d'Algérie jusqu'aux accords d'Évian, c'est-à-dire vraiment les changements de politique, les différentes révoltes qu'on a pu connaître. Comment peut-on évaluer et évoquer cette période-là ? Olivier Dard. C'est une période de crise, effectivement, et c'est une période, au fond, qui se décline dans le cadre d'un scénario où, j'allais dire, la dramaturgie va croissant. C'est-à-dire que à partir de septembre 1959, au moment où le général de Gaulle choisit, au fond, de s'engager dans l'autodétermination, le choix qu'il opère provoque, notamment en Algérie française et notamment chez les Européens d'Algérie, un sentiment de révolte qui va se cristalliser en janvier 1960 à l'occasion de ce qu'on a appelé les barricades d'Alger.
Les barricades d'Alger qui mettent face à face des civils d'Algérie, dirigés notamment par Joseph Ortiz, et évidemment des forces de l'ordre, notamment gendarmerie, armée, qui sont chargées, bien entendu, de faire respecter la légalité. Et ce face-à-face terrible, il se termine par un mort, Roger Hernandez, plus par le drame, effectivement, de la répression qui suit ces barricades d'Alger. Et dorénavant, si vous voulez, il apparaît bien, clairement, pour les tenants de l'Algérie française, qu'il ne peut plus y avoir, selon eux, de solution autre que celle d'un affrontement de plus en plus visible avec les autorités de l'État, les autorités de la Ve République, ce qui explique, évidemment, le putsch d'avril 1961, un putsch qui est un échec important, radical presque d'un certain point de vue, dans la mesure où il dure très peu de jours et où il ne suscite absolument pas l'écho attendu par les putschistes. Mais ce putsch n'est pas non plus sans lendemain, puisque un certain nombre de militants civils, rejoints par des militaires, vont lancer et développer à partir de mai 1961 l'OAS, l'Organisation Armée Secrète. Ces différentes révoltes, elles avaient une logique. Elles avaient une logique qui était celle de conserver l'Algérie française. Le problème de ces différentes révoltes, au fond, c'est que, par-delà la nécessité pour ces protagonistes de conserver l'Algérie française, il n'y avait pas véritablement de vision, en quelque sorte, d'avenir. Et je crois que c'est sans doute une des raisons, très probablement, parmi beaucoup d'autres, qui explique les difficultés et l'échec final de l'OAS. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, depuis le début de la guerre d'Algérie, d'une part, les militaires sont convaincus qu'ils travaillent en Algérie pour y maintenir l'Algérie française. Ils sont soutenus par les Européens d'Algérie qui pensent, en particulier après le retour au pouvoir du général de Gaulle en mai 1958, que l'Algérie française va perdurer. Et au fur et à mesure que cette histoire évolue, évidemment, c'est un divorce croissant qui s'opère entre, d'une part, un pouvoir politique dominé par la figure du général de Gaulle qui entend voir la France s'engager dans une autre voie et donc procéder par étapes à l'indépendance de l'Algérie. Et j'ajouterai aussi ce dont les Européens d'Algérie et même les populations musulmanes favorables encore à l'Algérie française en Algérie n'ont pas forcément conscience, c'est un décrochage de la métropole. Car la métropole, au fur et à mesure que le temps passe, se désolidarise, si l'on peut dire, de plus en plus de ce projet d'Algérie française qu'elle soutenait encore autour de 56, 57, 58. Mais à partir de 1958 et surtout 1959, il est clair que le divorce est dorénavant profond. Vous êtes un spécialiste du XXe siècle. Est-ce que vous considérez que ces révoltes ont eu une conséquence, que cette fracture a une conséquence sur la vie politique ensuite ? Ah ben, elle a eu une série de conséquences. D'abord parce que elle a débouché, bien entendu, au sein des forces politiques sur des oppositions, j'allais dire, importantes, y compris à l'intérieur de forces politiques essentielles à l'époque. Je pense en particulier, sans qu'il s'agisse de parler de l'Organisation Armée Secrète, mais le grand parti des indépendants, le Centre National des Indépendants et Paysans, le parti d'Antoine Pinay, celui encore du jeune Valéry Giscard d'Estaing, se retrouve coupé en deux avec l'affaire d'Algérie. Et je dirais que toute une droite non gaulliste qui avait participé au retour et qui avait appuyé le retour du général de Gaulle en 1958 se retrouve dorénavant orpheline et marginalisée, même si évidemment, je parlais du Centre National des Indépendants et Paysans, un certain nombre d'éléments vont, eux, choisir de suivre le général de Gaulle. C'est le choix notamment de Valéry Giscard d'Estaing qui va créer ensuite les Républicains indépendants. Mais il y a un choc effectivement politique très important, sans compter évidemment avec les partisans de l'Algérie française qui, je vous rappelle, ont obtenu 10%, si je puis dire, au référendum de 1962, puisque ce référendum en métropole, l'indépendance, a été approuvé par 90% des votants. Est-ce que l'historien peut dire que cette guerre d'Algérie s'est arrêtée le 19 mars 1962 ? Comment on peut le dire ? Non, c'est absolument pas arrêté le 19 mars 1962, pour la bonne et simple raison que le 19 mars 1962, donc, c'est un cessez-le-feu, mais que le cessez-le-feu ne signifie nullement la fin de la guerre.
Et on va parler bien évidemment du massacre des Harkis. D'ailleurs, avant de donner la parole au général Fournier, je voudrais vous proposer de regarder un témoignage très fort, là aussi, de Messaoud Guerfi, qui est extrait d'un film qui s'appelle Harkis, histoire d'un abandon. Je vous propose qu'on le regarde ensemble. J'ai été fait prisonnier par le FLN par la suite. Le surlendemain de l'indépendance, j'ai été arrêté et là, ça a été le gros truc. Il y avait deux personnes en tenue que je ne connaissais pas. Il y avait d'autres personnes, des civils, que j'ai connus, dont certains que j'ai aidés, que j'ai sauvés de la prison, si ce n'est pas d'autre chose. Ils nous ont sortis dans la nuit, ils ont tué mon oncle, et moi, ils m'ont laissé pour mort. Ils m'ont tabassé, j'ai 17 cicatrices sur la tête, sur le corps, 17 cicatrices, ils m'ont laissé pour mort. J'ai été en ville, il y a un médecin qui m'a soigné. Quand j'ai voulu partir, j'ai été arrêté une seconde fois. Et là, ils m'ont amené dans un camp à la frontière algéro-tunisienne, où j'ai vu mourir des dizaines de gens pour déminer la ligne Maurice. Ma mère a réussi à me faire évader, elle m'a caché un certain temps, le temps de me préparer des faux papiers. Et avec l'aide d'un gars du FLN, le monde était foire. C'est lui qui m'a fait les papiers et c'est lui qui a réussi à me faire embarquer. Problème, tout le problème des Harkis vient des politiques, des gouvernants politiques, qu'ils soient de gauche que de droite. Ils ont mis une chape de plomb sur cette population-là qui a cru, qui a pensé, qui s'est toujours dit qu'elle était française et qu'en réalité, on ne voulait pas en parler, on ne voulait pas les écouter, on ne voulait pas les aider, on ne voulait pas qu'ils s'en sortent. À l'époque, il y avait très peu d'informations. La seule information, c'est que là-bas, il y a la torture, mais c'est l'armée qui torture, c'est les Harkis qui torturent. Le FLN, c'était des moutons, des braves gens. On ne donnait pas l'explication exacte de ce qui s'est passé, réellement passé là-bas. Pour les Harkis, c'était la honte de parler de ce passé-là. Parce que à l'école, et l'école, mon Dieu, était très politisée dans les années 60, les Harkis, c'était des colobos. Ça a été entendu, mon fils est arrivé un soir en pleurant. « Papa, j'ai regardé dans le dictionnaire, colabo, ça veut dire... » J'ai regardé, et tu étais un colabo, toi ? Alors, l'après 19 mars 62, nous évoquions à l'instant le massacre des Harkis, ça ne se peut pas se résumer qu'à cela, mais c'est bien évidemment un événement essentiel de cet après 19 mars. Oui, alors moi je voudrais revenir un instant sur ce qu'a dit monsieur le professeur, parce que on a parlé d'un point de vue, je dirais, métropolitain ou franco-français des événements qui se sont passés à partir du moment où le président de la République a décidé à parler de l'autodétermination, parce que c'est à ce moment-là que les populations nord-africaines ont basculé. Les populations de souche nord-africaines ont basculé parce qu'elles ont senti que la France commençait à se retirer et le FLN a pu remonter toute son organisation politico-administrative qui avait été fortement laminée par toutes les opérations depuis le début de la guerre. Et la population musulmane qui était fidèle à la France et qui avait commencé à réadhérer au projet français, à travers l'action des SAS, par exemple, a commencé à se poser des questions sérieusement. Ça a débouché en décembre 60 sur des manifestations dans les grandes villes où on a vu pour la première fois les drapeaux FLN sortir de partout, dans les sections administratives urbaines d'ailleurs, qui n'étaient pas les SAS. Et puis, ensuite, il y a eu ce putsch où ils ont vu l'armée finalement déconsidérée, perdre. Tous les chefs militaires étaient déconsidérés, voire condamnés, y compris un certain nombre de grands généraux. Et pour un musulman, c'est quelque chose de difficilement compréhensible. À partir de ce moment-là, ça a basculé. Et ça a amené, tranquillement, au 19 mars 62. Et le 19 mars 62, il s'est produit un événement, c'est que les négociateurs français
qui sont allés négocier le 19 mars 62, soit étaient des grands naïfs, soit étaient des grands cyniques, peut-être un peu des deux, car ils ont élaboré des accords avec des partis qui n'étaient pas tout à fait identifiés en face, et surtout des accords qui étaient quand même assez profondément irréalistes. Songez qu'on avait, imaginé de confier la sécurité du territoire après le 19 mars à ce qu'on a appelé la force locale. Des unités militaires constituées de soldats nord-africains ayant servi dans l'armée française et de gens venant de l'armée de libération nationale. Et ça devait fonctionner en même temps dans la même unité pour assurer la sécurité générale du territoire. Donc ça n'a pas fonctionné. C'est des unités qui ont souvent déserté. Et en même temps, on avait mis en place l'exécutif provisoire qui, du 19 mars 62 jusqu'à la date de l'indépendance, 1er juillet, début juillet 62, devait assurer la coordination sur le territoire. Ça n'a pas fonctionné non plus puisque c'était mixte et que tout le monde était dans l'expectative. On a ajouté là-dessus un certain nombre d'exactions, comme dans toutes les fins de guerre civile, qui sont des règlements de compte. Il y a eu les folies de l'OS, bien sûr, et puis les guerres intestines du FLN. Ce qui fait que ça a créé en Algérie une période d'anarchie assez énorme, et où plus personne ne maîtrisait rien. À partir de ce moment-là, il y a eu des massacres. Alors, massacres... on pourrait presque qualifier de génocide pour les harkis, parce que ça porte sur des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes. Quand on parle des harkis, il faut penser aussi aux familles de ces gens-là, aux familles des soldats qui avaient servi la France et qui étaient dans le bled, et qui ont sûrement été pour grande partie aussi massacrés. Il y a eu des enlèvements d'Européens, chose qui s'était produite avant, pendant la guerre, mais de manière assez anecdotique, épisodique, pas en tout cas dans les proportions d'après le 19 mars. Et il y a eu surtout le fait que l'armée française a continué à avoir des pertes. Je vous disais tout à l'heure, 750 morts après le 19 mars 1962, dont des soldats disparus, portés disparus, c'est-à-dire enlevés dans la rue. Le statut de militaire français n'était plus protecteur. Un militaire français qui se promenait dans la rue pouvait disparaître, être enlevé, soit parce qu'on voulait lui prendre sa voiture, soit parce qu'on voulait le tuer tout simplement. Donc on a créé une situation à ce moment-là qui a été pire que ce qu'il y avait avant le 19 mars. Olivier Dard. Oui, dans le 19 mars, effectivement, ou l'après 19 mars, c'est une situation de chaos. Je voudrais revenir un instant sur la question, effectivement, de l'OS, qui est au fond souvent mise en avant pour expliquer l'échec du cessez-le-feu. Bon, les choses sont cependant un petit peu plus compliquées, c'est-à-dire que la chronologie, je m'excuse d'être un peu compliqué pour nos téléspectateurs, mais la chronologie est délicate. D'une part, effectivement, le 19 mars 62, ce n'est pas la paix, que les choses soient claires. Mais en même temps, l'OS qui refuse catégoriquement ce cessez-le-feu, puisqu'elle estime ne pas y avoir été associée, va elle-même se trouver progressivement désagrégée par toute une série d'arrestations. Notamment sur Alger, c'est l'arrestation de Roger de Gueldre, puis l'arrestation de Salan, etc. Et cette OS désagrégée, désorganisée, va effectivement, à travers ce qu'il en reste d'ailleurs, radicaliser ses positions et essayer en quelque sorte de provoquer face au FLN d'une part, mais aussi face à l'armée française de l'autre, car c'est dorénavant un double front qui dans l'esprit de l'OS se met en place, va essayer de provoquer une sorte de chaos. Mais ce chaos, elle est incapable de le mettre en place. Et parmi tous les drames de l'après 19 mars, je crois quand même qu'il faut dire un mot de l'affaire de la rue d'Isly, hein, de la fusillade de la rue d'Isly, dans la mesure où l'OS a imaginé, ou plus exactement une partie d'entre elles a imaginé que l'on pouvait opérer ce qu'on a appelé le bouclage de Bab El Oued, sauf que ce bouclage de Bab El Oued n'a absolument pas donné le résultat attendu, puisqu'évidemment, les autorités militaires ont pu intervenir. Une manifestation de civils ensuite a été convoquée, et cette manifestation de civils a débouché sur la fusillade que l'on connaît, et une fusillade qui fait une cinquantaine de morts. Donc il y a véritablement... Donc qu'on connaît, mais dont il faudrait repréciser les éléments pour ceux qui ne savent pas. Alors, une fusillade, si vous voulez, qui met en cause, effectivement, les autorités... militaires, dans la mesure où se sont retrouvés le 26 mars 62 rue d'Isly,
pour assurer, au fond, l'ordre de cette manifestation, la répression de cette manifestation interdite, hein, rappelons-le, un certain nombre d'unités qui n'avaient jamais pratiqué ce type d'activité, si je puis dire. Alors après, on est allé dire que c'était l'OAS qui avait mis en place une provocation, etc., etc. Qu'importe, le résultat, il est clair. Des dizaines de morts s'ajoutent effectivement à une situation déjà particulièrement grave et la situation ne fait que se détériorer. Pour être clair, ce sont des Français qui tirent sur des Français. Absolument. Mais la situation se détériore sur Alger. N'oublions pas aussi qu'elle se détériore ailleurs et notamment en Oranie. C'est un élément également très important à prendre en considération. Du massacre des Harkis, on va passer bien évidemment malheureusement aussi à l'exode après des pieds noirs. Le recensement de tous ces drames qui ont accompagné cette période, est-ce que c'est aussi un moment douloureux de l'histoire de la France ? Ça fait partie de... C'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, le professeur disait que la guerre n'est pas terminée le 19 mars 62, et moi je dirais même qu'elle n'est toujours pas terminée. Parce que, à partir du 19 mars, bon, il y a eu cette période d'anarchie avec tous ces crimes qui ont été commis de part et d'autre. Il y a eu, à partir du 1er juillet 62, date de l'indépendance et date de la mise en place d'une autorité d'un État étranger, il y a eu une fin qui n'en finit pas. En fait, c'est une agonie totale qui est cruelle, sans assistance de personne et qui s'est appliquée notamment aux Harkis. Et cette guerre n'est pas finie parce qu'elle laisse encore d'énormes plaies, l'arrachement d'un pays pour les pieds noirs, mais aussi pour les Harkis qui ont dû quitter leur pays, pour ceux qui ont pu s'en sortir, pour ceux qui sont morts, bien sûr, et puis pour les disparus qu'on n'a jamais retrouvés. Oui, alors par rapport aux civils, si vous voulez, je crois que là aussi, il y a quelque chose qui est très important à comprendre. C'est que, par rapport à ce que disait le général, et à la logique qui était celle des accords d'Évian, les autorités n'ont pas forcément anticipé les départs d'Européens, les départs massifs d'Européens qui allaient s'opérer. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en métropole, non seulement ils n'ont pas été forcément bien accueillis, mais au départ surtout, ils n'étaient pas attendus. Et surtout pas attendus dans les proportions qui ont été celles, effectivement, de ce qu'on a pu qualifier comme l'exode des pieds noirs du printemps et surtout de l'été 1962. Alors, des centaines de milliers de personnes qui, effectivement, traversent la Méditerranée, les Harkis dont vous parliez, ce qui, en métropole, inquiète, et inquiète d'autant plus que, et la guerre d'Algérie continue aussi pendant l'été 62 en métropole, dans la mesure où les autorités s'inquiètent d'une possibilité de recrudescence des attentats de l'OAS en métropole. On se dit que si les Européens d'Algérie arrivent en métropole avec les Harkis, etc., etc., ça risque de provoquer un véritable embrasement, ce qui explique aussi que pour les Harkis qui ont pu effectivement franchir la Méditerranée, le sort qui leur est en général réservé, c'est celui de se retrouver dans un certain nombre de camps, notamment Rivesaltes et d'autres. Alors, sur les Harkis, il faut quand même nuancer, parce que on a tendance à dire, dans le climat de repentance qui nous entoure, qu'en fait, on a complètement abandonné les Harkis. C'est vrai et c'est faux. Alors, c'est vrai, dans une première partie de cette période du 19 mars jusqu'à septembre, octobre 62, où manifestement, le gouvernement français avait décidé qu'on appliquerait les accords d'Évian à la lettre et qu'il comptait que l'amnistie qui avait été prévue se jouerait, y compris en Algérie, et en fait, n'a pas joué, puisque les premiers massacres ont commencé à ce moment-là. Et puis, quand les chefs sur place, les chefs militaires, se sont rendus compte de ce qui se passait, ils ont rendu compte. Et à ce moment-là, à partir du mois de septembre-octobre, il y a eu une politique de sauvetage des Harkis qui s'est mise en place. J'en veux pour preuve qu'on a même créé dans la région d'Alger, au camp de Zeralda, l'ancien camp du premier REP, un camp d'accueil des familles de Harkis où on les regroupait, on les conditionnait pour une évacuation en France. Et ça, à l'insu du gouvernement algérien de l'époque. Donc, l'armée a effectivement, et le gouvernement français ont eu une position assez négative dans la première partie, et ensuite on a essayé de faire quelque chose. Donc c'est comme tout le reste de la guerre d'Algérie, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, c'est pas une histoire linéaire. Nous sommes bien d'accord, et il y a un dernier élément sur lequel je voudrais peut-être insister par rapport à cet été 62, c'est aussi un élément qui concerne les populations algériennes de métropole, qui pour un certain nombre d'entre elles sont reparties en Algérie à l'été 62, mais dont on oublie souvent
que vu ce qu'était la situation de l'Algérie à l'été 62, avec effectivement une opposition extrêmement forte entre les différentes factions du FLN, une bonne partie de cette population qui était partie donc, de métropole en Algérie est revenue en métropole à l'automne 1962 et parfois plus nombreuse. C'est-à-dire que vous avez là aussi des flux de population. À l'heure où aujourd'hui on parle constamment des migrants, la question de la fin de l'Algérie française, c'est aussi, en termes d'histoire des migrations, un processus tout à fait important à prendre en considération avec des effectifs qui sont considérables. Et qui a perduré depuis 50 ans, puisqu'il y a quand même, je dirais, des masses de jeunes Algériens qui sont venus en France chez l'ancien colonisateur, malgré l'indépendance de leur pays, parce que l'Algérie est devenue un immense gâchis et qu'ils sont venus en fait en France chercher un meilleur avenir économique. Et ils ont bénéficié d'ailleurs à cet égard des dispositions des accords d'Évian que là on a appliqué, qui donnaient un statut privilégié aux personnes qui venaient d'Algérie. Dans ce mauvais accueil, dans cette impréparation dont vous parlez, qui est responsable de tout cela pour vous? La population française en métropole, qui n'a pas compris, le gouvernement qui… – Je pense que les responsabilités sont de toute façon partagées, bien entendu. Mais ce qui me paraît sans doute le plus intéressant, si vous voulez, à souligner, c'est d'abord, au fond, l'erreur d'appréciation importante, je n'ose dire monumentale, des accords d'Évian et de leur suite. Ça, je crois que c'est un premier élément essentiel. Et deuxième élément, bien entendu, fondamental, pour expliquer aussi le mauvais accueil qui a été celui des Européens d'Algérie à l'été 62, c'est le véritable divorce entre la métropole et sa colonie. Et je crois que là, il y a, au fond, deux histoires qui sont des histoires parallèles, liées au Second Conflit mondial et à leur suite. Pour les Européens d'Algérie, au fond, 1944-45, c'était hier. Pour les métropolitains de 1962, c'était il y a beaucoup plus longtemps. Pour cet accueil, pour cette aide aux victimes de cette guerre d'Algérie, eh bien, vont se lever des personnalités, vont se lever des associations. C'est un peu l'histoire de Secours de France qui va commencer et qu'on va évoquer dans quelques instants. On se retrouve sur le plateau de ces oublis de l'histoire. Nous nous retrouvons sur le plateau des Oublis de l'Histoire en compagnie du président de l'association Secours de France et puis du secrétaire général Jean-Marie Schmitz. Je disais à l'instant, la création de Secours de France, eh bien, c'est prioritairement à cette époque-là la volonté d'aider les victimes de cette guerre d'Algérie. Alors, le Secours de France a été créé le 15 août 1961, à l'origine pour venir en aide aux familles des militaires qui s'étant opposées à la politique du général de Gaulle était en prison ou en fuite. Et puis très vite, avec les drames qui ont accompagné la fin de l'Algérie française, l'action du Secours de France s'est orientée vers les rapatriés et surtout vers les harkis qui ne disposaient pas en métropole de réseaux amicaux et familiaux, comme c'était le cas souvent pour les rapatriés. Et le Secours de France s'est d'autant plus occupé des harkis que leur accueil en métropole a été très inégal. Entre le camp de Rivesaltes, où 10 000 d'entre eux sont passés entre l'été 62 et 1964, et où les conditions d'accueil relevaient plus de l'internement administratif que de l'accueil humanitaire, et ce qu'a réalisé à l'Argentière la demi-brigade de fusiliers marins qui a recueilli tous ces harkis, ou les hameaux forestiers créés en Lozère par le député de l'époque Henri Trémollet de Villers, et par le général Meyer, il y a un monde. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le Secours de France a donc été créé il y a 55 ans, qu'il vit toujours, alors qu'il avait été créé pour faire face à une tragédie de notre histoire. Alors, il y a deux raisons, me semble-t-il, à cela. La première, c'est que dans l'inconscient français, il reste le fait que l'abandon, le désarmement et l'abandon de ceux qui s'étaient battus à nos côtés est une tâche qu'on ne peut pas oublier et qu'il faut réparer. Et puis la deuxième raison, c'est que le Secours de France a adapté
ces missions, qui sont aujourd'hui au nombre de trois, de son origine, la première que nous intitulons « Secourir les détresses » consiste à aider les vieux harkis, leurs veuves, qui sont souvent dans une situation difficile, plus difficile que leur défunt mari, les vieux soldats de la Légion étrangère, les soldats de nos OPEX qui ont été blessés, qui sont à l'Institut des Invalides, ou les aumôniers militaires de la Maison Saint-Louis. La deuxième mission du Secours de France, que nous appelons le devoir de vérité, est de corriger sur nos conflits récents, en particulier sur la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie, de faire entendre ce qu'Élite Saint-Marc appelait notre part de vérité. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons réédité des ouvrages qui étaient épuisés et réalisé, en dehors du Destin d'un capitaine, trois autres films qui ont été diffusés sur la chaîne Histoire et qui existent en DVD. Et puis, il y a le bulletin trimestriel que nous éditons, qui contribue... Qu'on va voir à l'écran dans quelques instants. Et que nos téléspectateurs peuvent recevoir sur simple demande de leur part. Et puis, troisième mission que nous appelons « Préparer l'avenir », et qui se déroule, qui comporte trois volets. Le premier, qui est d'aider les petits-enfants de harkis à poursuivre leurs études supérieures ou à réussir leur entrée dans la vie professionnelle par l'attribution de bourses d'excellence. Le deuxième, qui est de soutenir des écoles complètement libres, comme la Fondation Espérance Banlieue, qui est, dont je dirai quelques mots quand nous évoquerons les leçons qu'on peut tirer, et où on apprend à des enfants et à des adolescents à la fois à respecter la France, à sentir qu'elle mérite d'être aimée et en même temps à leur donner une éducation dans les domaines essentiels de la lecture, du calcul. Et puis troisième volet pour trois personnalités du Moyen-Orient que nous connaissons et que nous apprécions pour les aider à maintenir sur cette terre où est né le christianisme les populations chrétiennes du Moyen-Orient, populations qui ont évangélisé pacifiquement les populations de l'époque avant que, par d'autres moyens, l'islam s'y installe. On va, si vous voulez bien, faire une petite incise dans cette discussion, dans ce dialogue, pour recevoir aussi des personnalités qui ont des associations, qui travaillent des associations en faveur aussi des disparus. Et je vais accueillir à nouveau le général Fournier, si vous le voulez bien, et puis aussi Hugues Kérali. Nous avons rejoint sur le plateau des oubliés de l'histoire l'écrivain et journaliste Hugues Kérali et nous avons retrouvé bien évidemment le général Fournier. Beaucoup d'associations ont aidé les disparus, ont aidé les victimes de cette guerre d'Algérie en métropole. Hugues Kérali, de votre côté, vous êtes en plus avec une filiation remarquable, puisque vous êtes le fils d'un héros, le colonel de Blinière, considéré comme tel par beaucoup. Votre engagement, il allait de soi. C'est-à-dire que moi, ça a marqué mon adolescence. Je voyais des mamans très éplorées venir dans le salon rencontrer mon père qui avait pris, dès sa sortie de prison, ça mérite peut-être un qualificatif de héros, comme vous dites, puisque c'est quand même un homme qui a apporté ce témoignage au passage, il est mort aujourd'hui, qui, après avoir passé 5 ans dans les stalags allemands de plus en plus durs, puisqu'il s'évadait tout le temps, 5 ans avec de nombreuses blessures et citations dans la plaine des joncs, en Indochine, 5 ans encore en Algérie, avoir été un des chouchous du général de Gaulle, s'est trouvé en légère bisbille avec lui sur la solution apportée pour l'Algérie française, et qui, dès sa sortie de prison, en 1966, replonge son bout d'une petite association qui avait eu très peu de moyens, comme lui-même d'ailleurs n'en aura pas beaucoup, pour la question des disparus civils, notamment de l'Algérie française. Et je me souviens de personnes qui ont, une mère par exemple, Madame Jordan, qui avait quelques biens immobiliers à Paris, qui a reçu des preuves de vie de son fils pendant plus de 15 ans, qui a vendu tout ce qu'elle avait et qui ne l'a jamais récupéré. Moyennant quoi, il y a quand même une bonne nouvelle,
sur les 6500, selon les estimations de la Croix-Rouge et de cette association, ASFED, Association pour les familles, pour la sauvegarde des familles et enfants de disparus, plusieurs sont sortis des geôles du FLN. Alors il y a eu, d'une part, des femmes qui avaient un prix, parce qu'on les avait transformées en prostituées de seconde zone ou de luxe dans les prisons et les villas algériennes, et qui ont pu être rachetées par l'association. C'est une tradition très ancienne, parce que songez quand même que 6500, c'est la plus grande prise d'otages de toute l'histoire de France. Ça se passe en quelques mois, entre le 19 mars et l'été suivant, les mois de juillet et août, 6500. On se croirait revenu à l'époque où on fondait en chrétienté des ordres entiers, comme l'ordre de la Merci, pour le rachat des captifs. C'est une très vieille tradition, l'enlèvement, la séquestration et le rançonnage. Donc parmi ces gens-là, beaucoup ont vécu jusqu'à 10 à 15 ans, peut-être encore plus, peut-être même que certains sont encore en vie, puisque dans les travaux qui ont été menés par quelques dissidents de la Croix-Rouge internationale, qui bien entendu en référait à l'association dont mon père s'occupait, il y a eu des témoignages portant sur plusieurs centaines de femmes et 90 enfants pour la seule ville de Sidi Bel Abbès, qui n'est pas une énorme métropole. Donc des enfants de cette époque peuvent être aujourd'hui des gens qui ont mon âge ou le vôtre, Martial, et qui ont été, eux, complètement islamisés, privés de toute connaissance de leur origine, éduqués, bien entendu, dans des écoles coraniques, mais qui sont, eux aussi, un héritage de ces séquestrations, de ces enlèvements, où il faut rendre hommage à plusieurs personnes, pas seulement le colonel de Blinière. Il y a eu des braves gens, comme Maurice Schumann, démocrate chrétien, qui arrive au ministère des Affaires étrangères 10 ans après l'indépendance algérienne, qui reçoit mon père. Mon père n'a pas cessé d'ouvrir des portes, d'harceler les ministres, de faire le siège de la Croix-Rouge internationale, et il obtenait parfois des résultats. De Maurice Schumann, il n'a obtenu qu'une réponse, qui est tout de même un peu curieuse. C'était un homme profondément humain et charitable, Maurice Schumann. Certains disent un saint, je ne sais pas. Mais il a avoué et reconnu, lui, ministre des Affaires étrangères du gouvernement français, que cette question des disparus ne lui avait été présentée par aucun de ses services et qu'elle était inconnue du gouvernement. C'était pas le cas de De Broglie, 10 ans avant, qui lui niait, a fini par nier carrément, minimiser, puis nier la présence des disparus. Mais il y a eu un autre homme, et celui-là est intéressant, il faut saluer sa mémoire, c'est Michel Poniatowski. D'abord, il a donné de l'argent, beaucoup d'argent, en petites coupures usagées dont les numéros ne se suivent pas, vous savez, comme dans les mauvais films policiers. Avec cet argent, l'association a pu racheter un certain nombre de captifs qui sont revenus en France. Elle ne s'en est pas vantée pour ne pas brûler la filière. Il y a eu autre chose aussi. On a localisé dans le sud du Sahara des prisonniers, notamment dans des mines, je ne sais pas si ce sont des mines de sel, mais enfin des mines, des prisonniers condamnés aux travaux forcés. C'était aussi des disparus. Mon père a réussi à prendre contact avec un de ses vieux amis, situé bien loin de là, mais qui avait quelques moyens militaires, et qui s'appelle Moshe Dayan. C'est curieux, entre un aristocrate breton et un général israélien, ça marchait très bien, c'était des soldats. Moshe Dayan, et ça c'est un peu un scoop peut-être pour votre chaîne, je pense qu'on peut le révéler aujourd'hui, tous les acteurs sont morts, Moshe Dayan a affrété des hélicoptères. Il a fait le chemin, il a ramené ces gens. Voilà, qui peut peut-être amener un sourire, une espérance dans ce drame absolu qui a été pour les frères, les sœurs, les fils, les parents, une disparition. C'est pire que la mort, parce que la mort, c'est un corps, vous pouvez le reconnaître, le toucher, vous pouvez pleurer sur sa tombe. Les disparus d'Algérie, dont les gouvernements français ont tous refusé de reconnaître la réalité, sauf en secret et sous la main Michel Poniatowski, ils méritent quand même autre chose que l'abandon pur et simple. Alors, voilà, j'ai cité quelques cas où on peut considérer que cette combat d'une minuscule association n'a pas été vain. Maintenant, les alliés n'étaient pas si haut placés que ça. Par exemple, il y a un fonctionnaire de la Croix-Rouge internationale qui a apporté à cette association beaucoup de témoignages et de faits précis qui n'ont pas pu être exploités en raison d'un accord entre le gouvernement français et le gouvernement algérien
comme quoi toute personne considérée comme prisonnier politique, et tous les disparus ont été classés dans cette catégorie, ne pouvait pas faire l'objet ni d'une extradition, ni d'une enquête de la part du gouvernement français sur son territoire. Une fois de plus, on a baissé les bras, on a été d'une lâcheté considérable, et le principal responsable politique de cette affaire porte un nom, c'est le général de Gaulle, il faut quand même le rappeler, puisqu'aujourd'hui, il est magnifié partout. Alors, juste un dernier mot, ceux qui s'intéressent à cette affaire pourront lire le livre remarquable de Jean-Jacques Jordi. Jean-Jacques Jordi a pu faire une enquête très approfondie sur des archives qui étaient fermées et qui auraient dû le rester jusqu'à 2022. Il a fait son livre en 2011 grâce à un homme dont l'avenir politique se dessine assez bien aujourd'hui, qui s'appelle M. Fillon, qui a décidé, lorsqu'il était Premier ministre, d'ouvrir toutes les archives officielles aux historiens. C'est comme ça que ce livre a pu être publié, et mon général, peut-être vous reconnaîtrez qu'il est fort bien documenté. Absolument, et il reprend d'ailleurs de manière, je dirais, scientifique les travaux qui ont été faits précédemment par la SFED et qui sont poursuivis actuellement d'ailleurs par une nouvelle association, enfin une nouvelle, elle existe depuis une dizaine d'années, le groupe de recherche des Français disparus en Algérie, et qui poursuit ces travaux grâce justement à l'ouverture des archives et qui a permis de mieux cerner en fait le nombre de disparus. Donc, moi les disparus civils, ça n'est pas tout à fait mon domaine. Ce sont les disparus militaires, les soldats disparus. Les militaires. Pourquoi ? Parce que, d'abord, c'est un sujet que j'ai découvert il y a seulement 5-6 ans en travaillant sur l'histoire de la guerre d'Algérie pour un travail que l'on m'avait demandé. Et j'ai eu la stupéfaction, en tant qu'officier, de découvrir que l'armée française avait abandonné en Algérie environ un millier, répondait le gouvernement à l'époque, un millier de soldats. On ne savait même pas le nombre exact, on le chiffrait entre 500 et 1000. Je trouvais que l'écart était quand même énorme, et je me suis penché sur la question. J'ai donc créé une association, Soldis Algérie, qui se penche sur ces dossiers, qui les étudie, et qui cherche tout simplement à dresser dans un premier temps la liste nominative de ces hommes et de ces femmes, parce qu'il y a des femmes militaires aussi, qui ont disparu, dont on n'a même pas les noms, on n'a même pas la liste nominative. Voilà. Or, c'est quelque chose qui, comme on l'a dit à l'instant, continue la guerre d'Algérie, parce que dans le cœur des familles, dans le cœur des parents sont décédés, mais les frères, les sœurs, les enfants de ces hommes-là n'ont pas fait leur deuil, ils n'ont pas le corps, et ils ne savent pas ce qu'est devenu la personne qu'ils ont perdue. Et ça reste un drame, et c'est un drame dont, à mon avis, le gouvernement français reste comptable, dans la mesure où il s'agissait de soldats qu'il a envoyés en mission et qu'il n'a pas ramenés. Et donc, il faut se préoccuper de ça, donc nous allons essayer de faire cette liste, nous avons commencé. Mais je voudrais juste vous montrer un détail, on parlait tout à l'heure de qu'est-ce qui s'est passé après le 19 mars. Si on regarde ce tableau sur lequel j'ai reporté l'évolution des disparus pendant toute la guerre d'Algérie, on voit que ça suit l'histoire de la guerre d'Algérie, c'est-à-dire une montée en puissance, c'est des pertes, et puis une redescente jusqu'à fin 61. Et puis à partir du 19 mars, un éclatement du nombre de disparitions, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, le militaire français n'était plus protégé même par son statut. Et il s'est produit à ce moment-là des drames affreux, dont on n'a pas la clé, on ne sait même pas ce qui s'est passé, et qui sont des enlèvements purs et simples, comme d'ailleurs il y a un certain nombre de civils enlevés également. Donc nous essayons de faire cela, et nous faisons appel d'abord à toutes les bonnes volontés pour nous apporter des témoignages, et également à toutes les bonnes volontés pour nous aider à remplir cette mission que je considère comme une mission d'honneur vis-à-vis de ces soldats. Pas un certain nombre, mon général, un très grand nombre. Un très grand nombre, parce que ce chiffre de 6500 qui avait été établi par la SFED au terme de 20-30 années de recherche, est évidemment une estimation minimale, puisque c'est une liste qui, elle, est nominative. – Oui, alors je ne sais pas ce que vous mettez dans les 6500, parce que les chiffres actuellement admis et officiels sont de 1800 disparus. Suite aux derniers travaux qui ont été faits, notamment par Jean-Jacques Jordi, ils sont de l'ordre de 1800 disparus. Donc, parce qu'il y a eu, en fait, ce qui s'est passé dans le grand désordre de la fin de la guerre d'Algérie, c'est que des tas de personnes ont été portées disparues, parce qu'on ne les a plus revues, et qu'en fait, je l'ai pour certains militaires, elles sont rentrées en France ou parties ailleurs, et qu'on n'a pas forcément retrouvé leurs traces tout de suite, et qu'il a fallu faire l'inventaire. Ceci n'empêche pas la réalité de ceux qui sont réellement bien disparus, et qui ont vécu des drames affreux, comme l'a dit tout à l'heure monsieur. Et même s'il n'y en avait eu qu'un seul. Merci messieurs, merci de ce témoignage.
Merci au général Fournier et merci à Hugues Kerali de leur présence sur ce plateau des oublis de l'histoire. Et retour à nouveau avec le président de l'association Secours de France, M. Schmitz, et puis Roger Sabourot, le secrétaire général de l'association Secours de France. J'ai le bulletin de Noël entre les mains. C'est une association qui a 55 ans d'histoire. Alors, elle a été fondée par une personne exceptionnelle, qui s'appelle Clara Lanzi, patriote corse, qui, voyant toutes les misères qu'elle allait s'abattre sur ce malheureux pays, a créé le Secours de France, donc comme l'a expliqué tout à l'heure Jean-Marie Schmitt. Elle est décédée à la tâche, d'ailleurs, quelques années après. Elle a été remplacée par un personnage non moins éminent, qui est le colonel de Sèze. Le colonel de Sèze est un personnage de la guerre d'Algérie, puisqu'à la fin de la guerre d'Algérie, il a participé aussi à la révolte. Il a donc dû quitter l'armée. Et alors, lorsqu'il est arrivé, quand il a pris le pouvoir, après la présidence du Secours de France, il y a eu en même temps les conflits au Moyen-Orient, et en particulier au Liban. Or, il était lui-même, son épouse était la fille d'un ambassadeur de France au Liban, et lui-même avait été, étant fils de militaire, longtemps au Liban. Et donc, un appétit particulier, une amitié particulière avec le Liban. Voilà. Donc c'est de là qu'est partie une deuxième mission, c'est la mission d'aide aux chrétiens d'Orient qui à l'époque de la guerre du Liban a été très très prégnante. Écoutez messieurs, moi je voudrais revenir sur en fait ce qui a été l'élément directif de cette émission, c'est le document exceptionnel que l'on a vu réalisé par Alain Sédouy et qui évoquait ces sas. Et quand on voit ces sas, est-ce qu'on se dit, est-ce qu'aujourd'hui il y a des enseignements à tirer de cette action qui avait été menée pour notre pays sur le sol français aujourd'hui? Il me semble que la leçon la plus claire de ces événements en Algérie, c'est que pour gagner, il faut deux choses. D'abord, être capable de rétablir l'ordre et la paix civile, et puis deuxièmement, de gagner les cœurs des populations. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire aujourd'hui? La première chose, rétablir l'ordre, ça veut dire, par une action déterminée, constante dans la durée, reconquérir ces terrains ou ces territoires abandonnés de la République, ces 100 Molbec français dont on a parlé, et où fleurissent tous les trafics, en particulier ceux de la drogue. La deuxième chose, c'est que pour que cette action soit efficace, il faut qu'en amont, elle s'accompagne d'un contrôle de l'immigration, en particulier musulmane, parce qu'elle a atteint aujourd'hui un niveau tel et une concentration telle que l'assimilation n'est plus possible et que tout le monde fait ce constat. Et que là, en aval, on continue la politique d'urbanisation qui consiste à dynamiter ces bars concentrationnaires nés dans les années 60 et où a fleuri le communautarisme. Il faut ensuite, et c'est le deuxième point, conquérir le cœur des populations. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire aujourd'hui? Je crois d'abord qu'il faut absolument vouloir tirer vers le haut les gens issus de l'immigration et leur faire percevoir le trésor historique, culturel, artistique, géographique, je dirais même culinaire, que représente la France. Le trésor de l'âme française, comme le disait Jean-Paul II. Pour cela, il faut à la fois qu'ils aient envie de se l'approprier, mais pour cela, il faut que nous leur donnions envie de se l'approprier. Or, depuis des décennies, nous pratiquons l'autoflagellation, la repentance, et qui aurait envie de s'identifier à un pays où les tristes heures de Vichy, l'esclavage, etc., sont le discours le plus fréquent et le plus constant que l'on entend. Et je pense que l'historien, il y a une phrase qui m'avait beaucoup frappé, de l'historien de la société militaire, et de l'idée coloniale que fut Raoul Girardet, qui a payé de quelques temps de prison son attachement à la cause de l'Algérie française, à la fin de celle-ci, il avait écrit cette phrase que je vous cite et qui me paraît prémonitoire. « La France de l'Hexagone sera-t-elle autre chose que celle du vide moral
et idéologique? Voilà la vraie question qui nous est posée et qui nous oblige, pour reprendre la formule de Renan, à une réforme intellectuelle et morale dont la France a vraiment besoin. Dans le contexte d'aujourd'hui, il y a deux éléments différents par rapport à celui que nous avons connu au moment de l'Algérie. À cette époque, la nation française avait une identité attirante et rayonnante. Et le patriotisme se manifestait de manière forte en dehors des stades, contrairement à aujourd'hui. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il y avait une proximité à la fois morale et symbolique entre les musulmans et une population qui était restée majoritairement chrétienne et où un certain nombre de valeurs étaient partagées. Celle de la famille d'abord, dont on n'imaginait pas qu'elle puisse être autre chose que l'union d'un homme et d'une femme, et qui était considérée comme la cellule de base de la société. Le respect de la parole, le sens de l'honneur, le respect de l'autorité. Ces vertus ou ces valeurs aujourd'hui sont tellement contrebattues que il faut cette réforme intellectuelle et morale que j'évoquais. Alors, dans ces conditions, comment faire? Comment peut-on faire? Comment établir ou rétablir la confiance avec ces populations immigrées pour les faire adhérer à ce trésor de l'âme française que j'évoquais? Je crois que cela pourra se faire de multiples façons. De multiples façons parce que de multiples façons, mais je dirais ayant tout un point commun, c'est l'intérêt et l'attention portée aux personnes. Et je voudrais en donner deux exemples. J'évoquais tout à l'heure Espérance Banlieue. Le cours Alexandre Dumas, qui a été créé il y a 4 ans maintenant à Montfermeil, connaît un succès étonnant, mais tout seul, c'était une goutte d'eau. Mais en 2015, 4 nouvelles écoles sont venues à Marseille, à Roubaix, à Asnières, complétées. En 2016, 4 nouvelles écoles ont été ouvertes. 16 sont prévues pour l'année 2017-2018. Alors, une goutte d'eau multipliée par 100 à travers la France, vous pouvez changer le cours des choses. Et c'est porteur d'espoir parce que ça montre qu'il n'y a pas de fatalité. Ça montre que l'on peut changer, toucher le cœur et l'âme de ces populations si on s'en occupe et si on s'en occupe bien. Puis le deuxième exemple, c'est une association qui s'appelle Cap Jeunesse, qui a été fondée par 2 anciens officiers et qui a pour objectif de faire se rencontrer, connaître les multiples expériences qui existent à travers la France, à la fois pour susciter des échanges d'expériences, des émulations et l'essaimage de ces opérations réussies, que ce soit dans le domaine culturel, sportif, associatif. Voilà des raisons qui me paraissent susceptibles de nourrir notre espérance et qu'on peut tirer des expériences que nous avons vécues il y a plus de 50 ans. Écoutez, messieurs, merci d'avoir organisé cette première émission des Oubliés de l'Histoire. Et il y en a tellement d'Oubliés de l'Histoire qu'on peut égrener les émissions quasiment quotidiennement. Bravo pour cette mission de vérité dont vous faites les porte-parole, pour cette mission de solidarité. Puis on le voit actuellement avec les propos que vous venez de tenir, une mission d'espérance. Vérité, solidarité, espérance, 3 termes qui qualifient ce cours de France. Merci à vous. Vous mériteriez d'en être un membre d'honneur. Merci.